gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur tous ensemble, sa bonté? Alléluia. Merci Seigneur. Dieu est grand. You are holy. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Alléluia. Dieu est grand. On va se saluer les uns les autres, c'est possible? Ce chant là, les parmi les sœurs là. Non? Noélie, tu connais, hein? Une soif. Qui a soif du Seigneur? Waouh. Dîne-t-elle la batterie là-bas? Ouais.
pas quelqu'un qui joue de la batterie là, comme tu prends la guitare là? Personne? Waouh, mais c'est pas grave, on se laisse guider. Dieu est grand. Comme un soleil, élève ta voix, car c'est le jubilé. Voici mon Sion, ton Seigneur vient. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme un soleil, élève ta voix, car c'est le jubilé. Voici mon Sion, ton Seigneur vient. Personne n'est comme Jésus, 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 personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus, 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 personne. Alléluia! Est-ce qu'on peut l'acclamer? Jesus. Holy, you are holy God. Personne, 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 ni Bouddha, ni Mohamed, ni personne. Personne, 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 personne. Je kiffe, personne, personne. Je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Jésus, 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 Jésus.
voici il vient. Oh, au son de la trompette, chevauchant les nuées, il revient. Brillant comme un soleil, élève ta voix, cherchez le jubilé. Car du mon Sion, ton Seigneur vient. Voici il vient. Au son de la trompette, le roi, chevauchant les nuées. Oh oui, brillant comme un soleil, Jésus, élève ta voix. Oh oui. Le jubilé, ton Seigneur vient. Les amoureux de Jésus, personne n'est comme 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 Jésus. Personne n'est comme Jésus, 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 personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus. Oh, mon gars. Lord, my God, Father, we love you. We need your presence. You are holy, God. Lord, my God, Father, I love you. You are holy, holy. You are. Majesté, majesté, je t'aime de tout mon cœur, mon amour. Nous t'aimons, Seigneur. Holy God, you are holy. Father, we love you. Holy God. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons. Lord, my God, Lord, my God, Lord, my God. Almighty God. Almighty. Holy God. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons. Oui, Holy God. You are holy, holy. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il a reçu le nom au-dessus. Jésus, nous t'adorons. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, adorons Jésus et levons son nom. Jésus, adorons Jésus et levons son nom. Adorons Jésus.
son nom. Il mérite la gloire, notre Dieu. Alléluia. On peut prendre place. Ah, ceux qui sont debout là-bas, si vous voulez vous asseoir devant ici, il n'y a pas de problème. On est débordés, je vois qu'il y a vraiment une grande soif. On peut ouvrir provisoirement le rideau là-bas, vite fait, pour aérer si vous voulez. Mon frère Pierre, est-ce qu'on peut nous donner un coup de main? Est-ce que vous voulez qu'il y ait d'autres programmes pendant les vacances là? C'est quand les vacances scolaires? C'est en avril, non? Ah ben, je pense qu'on aura au moins une semaine tous les soirs là, d'adoration là, parce qu'il mérite qu'on l'adore, qu'on le loue. Il mérite la gloire, notre Dieu. Waouh. Alors nous avons un frère qui nous vient d'Allemagne. C'est un couple. Ma nièce et son époux. Ils aiment beaucoup le Seigneur. Et ce sont des Allemands. Donc Dean qui est là est un Allemand, il est né à Stuttgart, c'est ça? À Bonn. Viens un peu s'il te plaît avec ta guitare là si c'est possible. Il est né à Bonn, c'est mon neveu. Et il aime le Seigneur. Son grand-père est un Belge, c'est ça? Dieu l'a touché. Il ressemble à Déo. Ouais. Donc, juste pour aérer ceux qui sont à côté, s'ils ont trop froid, ben on referme, il n'y a pas de problème. Et donc, il va nous donner un peu son témoignage, hein, comment Dieu l'a touché, et puis ce qu'il a un peu à nous dire, à nous conseiller aussi, à vous conseiller en tant que jeune. Et puis, il y a peut-être des personnes aussi qui ont des chants. Et qui veulent les interpréter, il n'y a pas de souci. Et vous avez vu que tes vues de vie est en train de changer. Qui a constaté cela? Nous sommes en train, il y a beaucoup de choses qui changent. On va vous présenter tout à l'heure la vision que le Seigneur, la nouvelle vision que le Seigneur nous a communiquée. Et on va passer beaucoup de temps dans l'adoration. Donc voilà, Dean, guten Tag. Guten Tag. Allô. Voilà, donc qu'est-ce que tu as d'abord aux Allemands qui sont là, qui nous écoutent, s'il y en a beaucoup qui sont connectés. Ja, sei gegrüßt im Namen von Jesus Christus. Wir grüßen euch und wir segnen euch im Namen Jesus Christus. Seid, wisst, dass Jesus bald wieder zurückkommt, um seine Kirche zu holen, seine Gemeinde zu holen, die rein ist von ganzen Unreinheiten. Tut euch vorbereiten, weil Jesus kommt bald zurück. Amen. Amen. Tu as des chants, non? Ja, pas de souci. Ok, donc ça met le micro là-bas, et, avec le pied de micro et puis... Laisse-toi guider. Hein. Et puis, les jeunes ont besoin d'entendre aussi ce que le Seigneur fait dans ta vie. Nous voulons, pendant que Dean se prépare, recevoir les personnes qui sont venues pour la première fois chez les fous et les folles de Yeshua. Est-ce que vous voulez bien vous lever? Rassurez-vous, ce n'est pas une secte. On va vous accueillir avec joie. Chez vous, soyez les bienvenus. Alors nous avons, vous voulez qu'on leur offre des cadeaux, un cadeau? Oui. On leur offre quoi? Oui. Ça vous intéresse tout ça? Oui. Laurent, on n'a pas le choix. Ils sont nombreux, je ne sais pas comment on va faire, si on aura assez ou pas. Il y en aura assez, hein? Oui, ma soeur? Oui? Oui? On va te passer le micro. On va te passer le micro. Alléluia. Ça vous fait? Alléluia. Ça nous manque, la Martinique, là. Alléluia. Les Martiniquais et les Martiniquaises qui sont ici, vous êtes où? Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. La Guyane. D'accord.
On va vous passer le micro aussi. Que Dieu soit béni. Il faudrait qu'on reparte en Guyane aussi. Oui, la Guyane. Quel coin de la Guyane? Macouria. Ok. Ça, c'est une voix guyanaise, là, avec une puissance. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui. Nous venons de Kourou. Kourou, alléluia. Oui, il y a une fusée là-bas. Que Dieu soit béni. Merci, Seigneur. Alléluia. Ouais, nous venons, je viens d'Allemagne, mais je suis Camerounais. Ok, ben voilà, il y a un Allemand qui est là. Dis-nous, vous allez vous faire connaissance. Et la sœur, elle vient d'où? Je suis Camerounaise. Camerounaise? Oui. Bamileke, Bassa? Bamileke. Ah ben, on va parler tout à l'heure, pas de soucis, que Dieu soit béni. On est à Bafoussam aussi là-bas chez vous, là-bas, il y a le feu là-bas. Là. Gloire à Dieu. Eh ben, il vient d'où le frère qui est à côté là-là? Ouais, mon grand, ouais. Bonjour. Moi, je suis un Indien. Ah ouais? Un Indien? On acclame le Seigneur, alléluia. L'Inde. On va commencer par l'Inde. Ça fait plaisir. Il va falloir qu'on aille en Inde là-bas. Tiens, mon frère, Renaud Yeshua. Si. À la fin, ne pars pas, on va discuter un peu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Bon, restez debout, on va vous offrir une Bible. Voilà. Celle qui a été révisée ici. Donc, c'est une Bible rare. Prenez-en soin. Dès que vous avez votre Bible, vous pouvez vous rasseoir, il n'y a pas de problème. Amen, amen. Là-bas, non? On va passer là-bas. Jesus. C'est bon, tout le monde est servi? Là-bas? Ok. Ceux qui n'ont pas encore reçu un exemplaire, ben, levez la main, comme ça on va vous en distribuer. Ok, Paul, ça va? Je vois que l'île est en force là. Gloire à Dieu. Qui d'autre n'a pas reçu? Là-bas, ok. C'est bon? Pas de micro? Il n'y a pas de micro? Le désir de mon cœur, si ce n'est d'élever ton Saint-Nom, par ma vie de chaque jour, m'efforcer à te ressembler, depuis le commencement de mes jours, jusque dans l'éternité, je ne connaîtrai personne qui soit comparable à ta personne. Ouh, nul n'est comparable à toi, mon Jésus. Ça joue pas. Que serait le désir de mon cœur si ce n'est d'élever ton Saint-Nom, par ma vie de chaque jour, m'efforcer à te ressembler, depuis le commencement de mes jours, jusque dans l'éternité. Je ne connaîtrai personne qui soit comparable à ta personne. L'unique et le véritable, c'est toi. Le admirable, c'est toi. Devant ton nom au ciel et sur la terre, mon Dieu. Tout genou fléchit. Celui qui est le véritable, c'est toi. Jésus, tu es l'admirable, c'est toi. Devant ton nom au ciel et sur la terre, mon roi. Tout genou fléchit. Que ton nom Jésus soit béni. Eh, Yahweh, Kumbama. Ah, 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 Kumbama, eh, ya. Que
ton nom Jésus soit béni. En toi Chilo, tu trouves une raison d'être. Hey, ton origine remonte depuis l'éternité. Oh, oh, oh. Yoshua Mashiach Yosalin Zambé. Tu serais le désir de mon cœur si ce n'est d'élever ton Saint-Nom. Par ma vie de chaque jour, m'efforcer à te ressembler. Depuis le commencement de mes jours, jusque dans l'éternité. Je ne connaîtrai personne qui soit comparable à ta personne. L'unique et le véritable. Jésus, tu es l'admirable. Devant ton nom au ciel et sur la terre, mon roi. L'unique et le véritable. Oh, l'admirable. Devant ton nom au ciel et sur la terre, pour toi. Que ton nom Jésus soit béni. En toi, Chilo, tu trouves une raison d'être. Hey, ton origine remonte depuis l'éternité. Oh, oh, Nzambe, mon doudou, mon roi, celui qui m'a sauvé, Jésus, laisse-moi l'élever, laisse-moi l'acclamer, laisse-moi le danser. Lélé, 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 lélé. Est-ce qu'on peut l'acclamer vraiment? Tu es le premier et le dernier, celui qui était, qui est, la parole manifestée, l'image du Dieu. Le premier et le dernier, celui qui était, qui est, la parole manifestée, l'image du Dieu. Oh, lé, 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 lé. Yesu kumama eh, Yahweh kumama na yo. Yesu kumama eh, eh Yahweh kumama, amama ma. Eh Yahweh kumama, kumama eh Yahweh kum. Yobongi na lokumwe, yobongi na masanjoli. Le le li le 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 kumama 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 eya. Mon Jésus soit loué, Jésus soit loué, soit célébré, oui. Jésus soit loué, soit adoré, soit acclamé, soit élevé, soit célébré. Poussons des cris de joie. Alléluia. La guitare, juste la guitare. Comme David, alléluia, ça. Alléluia, on peut prendre place. Tine, c'est quoi ton témoignage? Qu'est-ce qui s'est passé que tu chantes aujourd'hui pour le Seigneur, que tu annonces la parole aux Allemands? Je vous bénis au nom du Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'étais comme tout jeune. On vivait, comme tout le monde vit, dans la table de grâce. On s'est dit, bon, on est dans la table de la grâce. On peut faire ça qu'on veut. Bon, tu es dans les boîtes.
Et le dimanche, tu essayes de. Tu viens et tu lui dis que bon, je vais célébrer le Seigneur. Or qu'à la veille, tu étais dans la boîte. Avant de venir, tu es passé vite vers l'hôtel. Pas seul, bien sûr. Et tu viens et tu veux célébrer Dieu. C'était ça ma vie. Je croyais que c'était ça, servir Dieu. Parce que c'est ça qu'on m'avait appris. Par beaucoup de gens qui se disent chantres. Ils vivent cette vie. C'est eux qui nous ont appris ça. Quand on était avec eux, dans les coulisses, on ne parlait jamais de Dieu, on parlait des femmes, on parlait de tout. Tout ce qui est terrestre. Et du coup, nous, on croyait que servir Dieu, c'est prendre la guitare ou bien chanter. Et c'est tout. Et Dieu habite là-bas. Il est enfermé dans un bâtiment. C'est là-bas qu'on sert Dieu. Et quand tu sors, tu peux faire ce que tu veux. Dieu ne te voit pas, quoi. On fumait du chanvre. Avant de chanter, il fallait que y ait un esprit qui rentre. Bien sûr, ce n'était pas un esprit de cet esprit. Il fallait que je prenne du courage. Soit tu veux boire, soit je veux fumer quelque chose, vite fait. Parce que sinon, je n'aurai pas le courage de parler devant des gens comme ça, bien de chanter. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui se trouvent dans cette vie-là. Mais sachez que c'est une grande erreur. Parce que ce n'est pas ça, servir Dieu. Être chrétien, c'est une vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a accordé la grâce de connaître mon époux, mon épouse plutôt. Et parce que mon épouse c'est Jésus. Lui aussi je l'ai connu, mais avant j'ai d'abord connu mon épouse. Et Dieu, comme il est bon, il m'a fait quitter la ville où j'habitais. J'habitais à Bonn, maintenant je suis à Stuttgart. Or que c'était mon voie pour toi. Quand on avait dit à Abraham, c'était ça pour moi, je ne savais pas. Il m'a fait d'abord quitter tout mon milieu. Et j'étais là, j'étais seul. Presque à craquer parce que tu as quitté tes amis, tu as quitté l'assemblée, tout le monde, et tu es là avec madame maintenant face à face chaque jour. Maintenant, comment on va faire maintenant? Bon, malgré cela, l'épouse, je ne l'ai pas encore connue. J'ai essayé quand même de m'en sortir, de faire comme avant, mais ça ne tenait pas. Or, un jour, on m'a invité, c'est ma femme plutôt qui m'a donné le message qu'il y aura la prière. Stuttgart. Et je me suis dit, bon, il n'y a pas de souci, comme j'aime ça, je vais aller et je vais prier comme d'habitude. Et quand je rentre à la maison, il y a mon vodka qui m'attend là, je vais boire. Ok, ce jour-là, c'était mon jour. C'est Dieu qui m'avait invité. Moi, je ne savais pas. C'est pourquoi la parole est vraie. On a dit que c'est pas vous qui êtes venu à m'avoir choisi, mais c'est moi qui vous ai attiré. C'est Dieu qui m'a attiré ce jour-là, je ne savais pas. Depuis Bonn, il m'a attiré déjà petit à petit. Et ce jour-là, je suis arrivé là, on a prêché la parole. Pas la parole des hommes, mais c'est la parole qui est esprit et qui vit. Toutes les choses que je faisais, on dirait que le monsieur là savait, il connaissait ma vie. Et ce n'était pas comme je m'imaginais dans un grand bâtiment, c'était dans un salon. Encore en plus, parce que moi je croyais qu'il faut une grande salle, ouais un peu, bien décorée. Chaises en cuir devant, pour monsieur et madame, les chantres sont sur l'estrade. C'est ça que j'ai pensé. C'était dans un salon. On n'était pas 100 personnes, même pas 10 personnes, 10 personnes. Mais là, ce jour-là, on m'a fouetté la parole bien comme il faut. Je vous dis, la vérité, ça blesse, mais ça sauve. C'est pour ça que moi, je ne peux plus cacher à quelqu'un la vérité. Parce que c'est ça qui m'a sauvé. Si ça te plaît, il n'y a pas de souci. Si ça ne te plaît pas, c'est ton problème. Tu vas me fuir, tu ne vas pas fuir Jésus. On m'a dit tout ce que le monsieur a dit, c'était ma vie. Je crois que j'ai fait une ou bien deux semaines, je ne parlais plus, ma tête. Alors, c'est comme si, comme quelqu'un qui fait du judo, on m'a mis par terre. C'était chez K.O. J'ai dit, mais je vais faire comment? En plus, on avait monté un groupe pour interpréter la musique du monde. Et j'avais déjà signé mon premier contrat. Et je devais jouer deux semaines avant, le Seigneur m'a pris. Maintenant, je vais faire comment? J'ai signé, il y a 1000, c'est combien de 1000 euros qui m'attendent là-bas. Ah. Je suis parti chez le frère. Je lui ai même dit, regarde, j'ai déjà signé le contrat, comment je vais faire? Ah, c'est ton problème, tu connais déjà la vérité. J'ai réfléchi. Deux jours avant, j'ai envoyé le contrat aux amis. J'ai dit, mes amis, partez, moi je ne viens plus. Depuis ces jours-là, fini. Je suis Dieu. J'essaie de marcher avec lui. J'essaie vraiment. Et je vous assure que je suis libéré de l'alcool, libéré de la drogue, libéré de l'impudicité, libéré de toutes choses.
Et j'ai compris que je peux même marcher, mais je suis en train de servir Dieu. Ce n'est pas seulement la guitare, ou bien tenir le micro comme ça, comme je le tiens. Mais servir Dieu, c'est chaque seconde que tu sers Dieu. Parce que maintenant, j'appartiens à Dieu. C'est lui qui me dirige, c'est lui qui me conduit, c'est lui qui me lave par sa parole. C'est pour ça que je le bénis, je l'aime. Et il m'a donné même le courage de chanter, de parler devant les gens. Je n'ai même plus besoin de ça. Maintenant, le Saint-Esprit est en moi. Je vais vous témoigner aussi quelque chose que quand on est jeune, on a un accoutrement selon le monde. On aime s'habiller, les fashions, tout ça là. Personne ne m'a prêché, mais l'esprit m'a touché et j'ai même changé ma garde-robe. Tous ces pantalons là qui descendaient en bas avec des femmes nues, des t-shirts, tout, j'ai jeté. J'ai fait un temps où j'avais seulement, je crois, deux jeans, mais pas de souci pour le Seigneur, j'ai supporté. Je vous dis, le Seigneur change. Accrochez-vous à lui, il est bien, il est bon. Tu peux avoir des problèmes, mais si tu regardes l'amour, la grandeur de son amour, même si tu vas rigoler, tu es dans la joie de voir les problèmes. Même le problème va dire, mais toi là, tu es comment? Je te cherche à te faire du mal, mais toi, tu es dans la joie. Parce que Jésus est bon. La jeunesse vous encourage, attachez-vous à Jésus. Et surtout, ne pensez pas que j'ai le temps, je veux servir le Dieu un jour. Non, tu ne connais pas les jours où tu vas mourir. Moi, Dieu m'a accordé cette grâce. Et Dieu m'a dit, j'ai saisi. Tu voulais un peu. Il a dit que tout le monde va écouter. Si tu écoutes et tu agis pas, c'est ton problème. C'est quand tu écoutes, il ne faut pas endurcir ton cœur. Maintenant, la change. Dieu a un plan merveilleux pour tout un chacun. Moi, je ne pouvais pas imaginer que ma conversion allait être dans cette ville. Moi, je me disais qu'un jour, je vais rentrer. Or, je n'ai même plus envie de rentrer. Mais là, je suis tranquille dans ma ville, là-bas où je suis. Attachez-vous à Dieu. Il est vrai, il est bon. Les fidèles. Soyez bénis. Est-ce que tu as un chant en allemand ou pas? Un chant en allemand. Ce chant-là, on a chanté les 31. Pour celui qui se rappelle, il peut chanter avec moi. C'est une belle langue, hein, quand même, l'allemand. Zeigelot, Alléluia. Zeigelot, Lob, Alléluia. Denn du bist hoch erhoben, Jesus, alle Zeit. Denn du bist hoch erhoben, Jesus, alle Zeit. Sei gelobt, Lob, Halleluja. Sei gelobt. Denn du bist hoch erhoben, Jesus, alle Zeit. Sois loué, sois loué. Oui. Alléluia. Sois loué. Jamais, car tu fies Jésus à jamais. Sois loué. Tu es glorifié,
Jésus à jamais. Zaygelo, Zaygelo. Oh, alléluia. Zaygelo. Denn du bist hoch erhoben, Jesus, alle Zeit. Alléluia, gloire à Dieu. C'est vraiment le chant que tu as reçu du Seigneur, c'est possible ou pas? Alléluia. Quand même pas mal de jeunes aussi que le Seigneur a sauvés comme ça, qui voulaient signer de gros contrats dans le monde pour servir l'autre. On sait ce qu'il sait, hein? Chanter pour l'autre, et le Seigneur les a sortis de là. Dieu est grand. Qui sont ceux et celles qui reçoivent des chants de la part du Seigneur et qui aimeraient venir les partager aussi avec nous à TV de vie? Ouais. Gloire à Dieu. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Alléluia. Gloire à Dieu. On va vous présenter la vision tout à l'heure par rapport à tes vœux de vie. Il va se passer des belles choses en tout cas. Est-ce qu'il y a des Togolais ici? Des frères et sœurs du Togo. On était à Lomé. Vous avez pu voir les images, hein? On a vécu des très très belles choses, beaucoup de choses. Il y a une femme qui, pendant que je prêchais, je l'ai vue s'approcher de moi. Et j'ai demandé à la personne qui était venue avec elle ce qu'elle voulait, qu'est-ce que cette femme voulait. Et puis la personne me dit, ben, elle veut parler. Elle était muette. Et à peine qu'on a prié, Yeshua l'a guérie. Et elle a commencé à parler. Moi, on était très très surpris. Il y a eu beaucoup, beaucoup de conversions, beaucoup de baptêmes. Et le dernier jour, il y avait une telle présence de Dieu dans la salle. Waouh! Et on se retrouvait dehors en train de chanter la nuit, de prier. Il y avait une telle présence du Seigneur. Et il y a des frères et sœurs qui sont venus de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Bénin. Et en tout cas, on repart là-bas si le Seigneur le souhaite, le permet, et en septembre. Et... voilà, il y a aussi des frères et sœurs, je ne sais pas, des frères et sœurs de la nouvelle, de la Polynésie française, je ne sais pas si ils sont là, mais je pense qu'ils sont connectés. En juin, fin juin, du 27 au 8 juillet, nous serons là-bas. Alors si jamais vous voulez partir avec nous, il n'y a pas de souci, si vous craignez Dieu, il y a 22 heures de vol. Vous penserez à nous dans vos prières, hein? S'il vous plaît, parce que... Ah. Et ce qui se passe actuellement là-bas, dès que les religieux ont appris que nous partons là-bas, qu'il va y avoir un problème de réveil, eh bien, les témoins de Jéhovah, les mormons, les religieux, les protestants, ils se sont tous mis ensemble pour nous empêcher d'arriver là-bas. Donc... on n'est pas encore arrivé déjà qu'il y a un tremblement de terre. Alors, quand le Seigneur va revenir, comment ça va être? C'est bon? Gloire à Dieu. Juste avant de chanter, en fait, c'est un chant que j'ai reçu un peu au début de ma conversion. Parce que l'amour du Seigneur m'avait juste touché. Il avait vraiment transformé ma vie, en fait. Et je sais que souvent, nous, les jeunes filles, hein, je me permets, excuse-moi. Je sais que souvent, nous, les jeunes filles, on est vraiment en manque d'amour, en fait. Et ça emmène beaucoup de choses dans nos vies, beaucoup de séduction, beaucoup de m'as-tu vu, beaucoup d'orgueil. Et on se crée des carapaces comme ça, parce qu'on a manqué d'amour, l'amour du père, de la mère. On n'a parfois pas eu de stabilité au niveau du foyer. Et donc, on va à droite, à gauche, on essaye de trouver l'amour où on peut.
Et moi, je sais que c'est vraiment l'amour de Dieu qui m'a sauvée, en fait. Qui m'a retirée de là où j'étais, du péché dans lequel j'étais, des péchés dans lesquels j'étais. Qui m'a vraiment délivrée, en fait. Le Seigneur m'a vraiment affranchie. Et un jour, j'étais en prière comme ça et ce chant m'est venu, en fait. Donc voilà, j'ai la voix cassée, mais voilà. Je... Ton amour est si grand, il est incomparable, il a su transformer ma vie, tu es si précieux pour moi, Jésus. Ton amour est si grand, il est incomparable. Il a su transformer ma vie. Tu es si précieux pour moi, Jésus. Ton amour est si grand. Il est incomparable. Il a su transformer ma vie. Tu es si précieux pour moi, Jésus. Ton amour est si grand. Il est incomparable. Il a su transformer ma vie. Tu es si précieux pour moi, Jésus. Oui, Jésus, tu es digne d'être adoré. Jésus, tu es digne d'être élevé. Jésus, tu es digne d'être glorifié. Jésus, tu es digne. Jésus, tu es digne d'être adoré. Jésus, tu es digne d'être élevé. Oui, Jésus, tu es digne d'être glorifié. Jésus, tu es digne. Ton amour est si grand. Ton amour est si grand. Seigneur, il est incomparable. Oh oui, il a su transformer. Tu es si précieux pour moi, Jésus. Ton amour est si grand. Il est incomparable. Il a su transformer ma vie. Tu es si précieux pour moi. Oh, Jésus, tu es digne. Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne.
élevé. Jésus, tu es digne d'être glorifié. Jésus, tu es digne. Jésus, tu es digne d'être adoré. Jésus, tu es digne d'être élevé. Jésus, tu es digne d'être glorifié. Jésus, tu es digne. Est-ce que vous pensez qu'elle est digne, notre Dieu? Merci, Seigneur. On va prendre un passage dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 5 plutôt, pardon. Luc chapitre 5, à partir du verset 1er. Alors on lira à partir du verset 1er. Or il arriva, comme la foule se jetait toute sur lui pour entendre la parole de Dieu, qu'il se tenait sur le bord du lac de Génézareth. Et voyant deux barques qui étaient au bord du lac et dont les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Et Simon répondant lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Toutefois, à ta parole, je jeterai les filets. » Et ayant fait cela, ils prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets se rompaient. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et étant venus, ils remplirent les deux barques tellement qu'elles s'enfonçaient. Et quand Simon-Pierre vit cela, il se jeta aux genoux de Jésus en lui disant, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Parce que la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la prise de poisson qu'il venait de faire. De même que Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient compagnons de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains pas, désormais tu seras un pêcheur d'hommes vivants. Alléluia. Et quand ils eurent ramené les barques à terre, ils abandonnèrent tout et le suivirent. Waouh. En fait, cette histoire concerne chacun de nous aujourd'hui. Et ces hommes, Pierre, Jacques et Jean, étaient à la recherche de quelque chose. Ils voulaient avoir, n'est-ce pas, de quoi vivre, simplement. C'était leur travail, c'est leur métier. Et on nous dit qu'ils ont travaillé pendant toute la nuit, sans rien prendre. Et nous apprenons également qu'ils pêchaient juste au bord. Ils ne voulaient pas trop prendre le risque de s'aventurer au-delà. Vous savez, comme j'expliquais hier aux frères, hier ou avant-hier, au bord de ce lac, ils avaient pied. Donc, ils se disaient, si on va en pleine eau, on n'aura pas pied, on ne pourra pas véritablement contrôler, on n'aura pas la maîtrise sur les éléments. Et c'est ce qui se passe dans la vie de chacun de nous. Nous aimons bien avoir le contrôle sur les choses, n'est-ce pas? On aime bien les repères. Hein? Chacun a ses repères. J'expliquais hier aux frères et sœurs que nous sommes, nous les humains, des personnes très très enfermées. Et on ne se rend pas forcément compte. Regardez, le vrai toi, ce n'est pas ce que tu parais extérieurement. C'est ton esprit. On est d'accord, hein? Voilà. Et il se trouve que tu es en prison. Et cette prison s'appelle ta chair, ton corps physique, qui n'est qu'une enveloppe, qu'une habitation provisoire de ton esprit. Parce qu'à la mort, comme vous le savez, l'esprit quitte le corps physique.
Même si beaucoup ne veulent pas croire qu'il y a une vie après la mort, mais laissez-moi vous dire que oui, il existe bel et bien une vie après la mort. Alors, on est enfermé dans ce corps depuis, n'est-ce pas, notre conception. Et la deuxième prison, c'est tous ces bâtiments dans lesquels nous sommes. Nous avons acheté il y a quelques mois un lapin avec une cage, on l'a mis dedans. Et je disais aux frères et sœurs, voyez ce lapin, il est dans cette cage et il ne paye pas. Mais nous, nous sommes dans des cages, des appartements, tout ça. On est dans des cages et on paye pour être emprisonné. N'est-ce pas? Donc, on est en prison. Et ensuite, nos villes. Nous avons des limites. Nos départements, nos régions, nos pays, nos continents. Vous voyez, il y a plein de prisons comme ça. Et en plus, il y a d'autres prisons, c'est à part le péché. Bien sûr, le péché, les pensées, les pensées que vous cultivez, que vous nourrissez, dont vous vous nourrissez. Il y a toutes ces fausses, n'est-ce pas, ces vérités mélangées, ces mensonges dans lesquels beaucoup se trouvent. Nos cultures également. Vous voyez, on est tellement emprisonnés que, en fait, ces prisons sont des repères pour nous. Vous voyez? Et quand on sort un peu de ce repère, ben, on est perturbé. On aime bien avoir le contrôle. Regardez quand on prend l'avion. La plupart des gens ne sont pas tranquilles. Parce que ce n'est pas notre environnement, notre élément naturel. On aime bien avoir le contrôle parce qu'on ne sait pas forcément qui nous pilote. On ne l'a pas forcément vu. On entend juste sa voix et encore. Et quand on se retrouve dans une zone de turbulence, ben on est angoissé. On veut faire, parfois on fait semblant que tout va bien pour ne pas, n'est-ce pas, se faire passer pour un pleutre. Mais la crainte, la peur, elle est bien là. Et ces hommes voulaient du poisson. Mais ils ne voulaient pas prendre le risque d'aller au-delà, aller plus loin, s'avancer en pleine eau. Parce qu'ils voulaient avoir le contrôle. Ah oui. Et vous allez vous rendre compte que plus le Seigneur, plus nous nous approchons du retour de Yeshua, de son jour, plus le monde perd, n'est-ce pas, ses repères, plus les hommes perdent leur contrôle. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe. Avec toutes ces fusillades, ces attentats, vous avez vu, c'est pratiquement toutes les semaines, il y a des attentats. Pratiquement. Même l'Afrique qui paraissait, qui semblait être épargnée, ben actuellement, elle est frappée de plein fouet. On apprenait encore aujourd'hui que le Pakistan est touché. Il y a des personnes dehors là-bas, est-ce que vous pouvez voir avec si elles veulent bien venir s'asseoir devant ici, il n'y a pas de problème. Hein? Ok. Vous voyez, ils voulaient du poisson, mais ils ne voulaient pas aller plus loin. C'était trop risqué pour eux. Et eux, c'était le poisson qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu veux réellement? Il y en a, ils se disent, moi, je veux avoir de l'argent. Alors, ils vont tout faire pour avoir de l'argent. Et ils se rendent compte qu'une fois qu'ils ont de l'argent, ils ne sont toujours pas satisfaits. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont commencer à goûter un peu à diverses drogues. Et ils se rendent compte que, ben, en fait, ils ne sont toujours pas satisfaits. Alors ils vont se dire, pour certains hommes, ben, nous on va chercher les plus belles femmes, comme la plupart des stars. Et ils vont tomber sur une femme, une belle silhouette, tout ça, travailler, une femme. Et puis ils se rendent compte qu'en fait, ils ne sont toujours pas contents. On apprend que ben, ils vont divorcer. Mais attends, il est beau, elle est belle, mais qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre. Et on se rend compte que les hommes sont à la poursuite de quelque chose qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Quelque chose qu'ils ne connaissent pas. En fait, moi, je veux vous dire cette chose-là. En fait, ce n'est pas Jésus, parce que Jésus n'est pas une chose, c'est la vie. Et ce quelqu'un, bien sûr, c'est Yeshua. Mais vous savez pourquoi? Pourquoi ils ne le savent pas? Regardez ce que la parole nous dit dans le livre de Ecclésiaste 3:11. Ecclésiaste 3:11, qu'est-ce que la parole nous dit? Regardez ce que le Créateur a fait. Il a fait quelque chose, il a mis quelque chose en chaque être humain, ce qui fait qu'on ne peut que courir après cette chose-là. Et maintenant, ils veulent, n'est-ce pas, l'atteindre par la drogue,
par le sexe, par le mensonge, par le foot. Qui c'est qui est sur la page en question? Ecclésiaste 3:11. Qu'est-ce que la parole nous dit? D'accord? Il a fait que toutes choses sont belles en leur temps. Et ensuite? Aussi a-t-il mis l'éternité dans leur cœur. Alléluia! Regardez, vous qui ne croyez pas en Dieu, vous qui ne voulez pas servir Dieu, vous qui vous dites, non, moi, Dieu ne m'intéresse pas ou je ne suis pas encore prêt, et même ceux qui se disent athées, hein, et comme je l'ai souvent dit, l'athéisme n'existe pas. Posez-moi la question, pourquoi? Non, je n'ai pas bien entendu. Pourquoi? Ok. Qu'est-ce que l'athéisme? Répondez-moi un peu. C'est quoi l'athéisme? Ne croire en rien. Ok. De croire en personne, non. D'accord. Donc, un athée, c'est quelqu'un qui ne croit en rien, qui ne croit pas en Dieu. On est d'accord, hein? Donc, un athée croit que Dieu n'existe pas. Ok, on est d'accord, hein? Donc, si un athée croit, c'est qu'il est croyant. Parce qu'il croit qu'il n'y a rien, donc il croit. On est d'accord? Dis à ton voisin, tout le monde est croyant. En fait, c'est Dieu qui nous a coincés dans ça. Et il a mis en chacun de nous la pensée, il a mis en nous l'éternité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les hommes, là, quand vous voyez quelqu'un prendre la drogue, hein, quand vous voyez quelqu'un courir après l'argent, en fait, la personne ne le sait pas forcément, mais en fait, elle est en quête de Dieu. Et quand si on lui pose la question, mais Dieu vous attend, oh non, non, moi je ne crois pas en Dieu, mais en fait, vous voulez être comblé, c'est ça le truc. On veut être comblé, vrai ou faux? Qui peut véritablement nous combler? Nous sommes des maisons, vrai ou faux? Toute maison doit être habitée. On est d'accord? Donc, voyez, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Donc, du coup, les gens cherchent Dieu en tâtonnant. Et il se trouve que la femme que tu as ne peut pas te combler. Sinon, Salomon n'aurait pas eu 1000 femmes, 700 femmes officielles, c'est-à-dire 700 princesses. Et ça n'a pas suffi. Il s'est dit, il faut encore au moins quelques petites copines. Parce que, vous savez, Dieu donne des femmes complètes. Dis à ta voisine, ou à ton voisin, je veux un homme complet. Alléluia. Un homme entier. Voilà. Pas une cuisse quelque part, on dit c'est une petite copine. Vous voyez, le français est une belle langue, mes amis. Là. Vous savez, c'est... Alléluia. Oh, c'est mon petit copain, c'est normal qu'il te trompe parce que c'est qu'un petit. Alléluia! Ah, oh, c'est mon petit copain, c'est normal que tu ne sois pas satisfaite parce que tu as eu une petite dose. Moi, je veux te présenter un homme entier. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia! Oui. On dit, non, moi je suis un homme sage, j'ai bac plus 20. Dieu dit, t'es sûr? Oui. Ben oui, mais t'as bac plus 30. J'ai rencontré une femme au Gabon, bac plus 20. Waouh! C'est la première fois que je voyais une femme avec, hein, une personne avec bac plus 20. Oh là là! En fait, elle avait un petit copain. Bac plus 20, mais avec un petit copain quand même. Pour vous montrer à quel point nous sommes rien. Alléluia! Vous avez vu cet homme qui est né, ce bébé qui est né sans cheveux, sans dents, et tout on lui fait porter des couches. Vous avez déjà vu ça, non? Et avec un biberon, il peut pas manger du solide là, parce qu'il faut de la soupe, il faut de la compote, il faut, vous voyez, non? Du lait dans un premier temps. Pourquoi? Parce que ben, c'est encore un bébé. Et puis ce bébé, il va à la maternelle, il commence à aller à quatre pattes, hein, comme on dit en allemand, comment? Krabbechen, c'est quoi? Krabben, comme les crabes. Vous voyez, c'est une belle langue l'allemand. Voilà cet enfant-là, il est comme un crabe, il a quatre pattes. Et puis, primaire, il commence à réfléchir. On lui bourre le crâne avec des fausses doctrines en disant que Dieu n'existait pas. Il dit, oui, maman, papa, vous avez raison. Et puis, collège, lycée, et puis, hop, fac, BTS, tout ce que vous voulez. Il est licencié, master, tout ce que vous voulez. Et puis, il commence à dire, non, mais Dieu n'existait pas. Et il tombe amoureux. Il est heureux, soi-disant, mais en fait, il y a toujours un vide. Il cherche à le combler. Il se dit, je vais avoir 1000 euros.
je vais tout faire pour avoir 10 000 euros. Et ensuite, je vais tout faire pour avoir 100 000 euros. En fait, 1 million, 1 milliard, il n'est toujours pas satisfait. Vous voyez, non? Et puis, il s'aperçoit qu'en arrivant à son âge, les cheveux commencent à tomber. Comme quand il est né. Oh. Et puis, il s'aperçoit que les dents commencent à partir. Il faut un dentier. Et puis, il s'aperçoit qu'il ne peut plus tellement mâchouiller, tout ça. Donc, il faut... le dentier, parfois, il se barre. On ramasse tout ça. On dit, mais les dents, elles sont parties où? Ben oui, mais... Retour. Hein? Case départ, tout ça. Allez. Et puis, on s'aperçoit qu'en arrivant à son âge, il y a une incontinence urinaire. Comme quand il est né. Mais il a Bac plus 30, bah oui. C'était un président, bah oui. Et puis on s'aperçoit que il commence à apporter des serviettes, des couches. Et puis, les enfants se disent, papa, on n'a pas trop de temps pour toi. Et puis on l'enferme quelque part. Et puis les enfants, quand ils viennent le voir, et puis il perd la mémoire. Il dit, papa, c'est ton fils. C'est qui ça? Papa, c'est moi, Mathieu, c'est qui toi? Je dis, mais ce monsieur, mais c'est un athée. Et puis voilà, c'est soupe. Soupe. Plus de viande. Alors qu'il aimait bien le fromage, hein, tout ça. C'est soupe. Voilà. On dit, mais ce monsieur qui nous a fait trembler, oui. Et puis un jour, un petit microbe, un petit virus de rien du tout. Tac! Le moustique Zika. Zika. On dit, ça y est, il a été zikanisé. Tout est vanité. Alléluia. Avancez en pleine eau. Et regardez Pierre. Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. Et c'est exactement ce que beaucoup font ici. Tu as quel âge? 25 ans. Depuis 25 ans, tu ne fais que courir après le néant. Tu n'es pas fatigué. 25 ans de course inutile. Tu cours après quoi? Regarde bien. On essaie d'attraper le vent, hein? La vapeur. C'est ça la vie, hein? Une vapeur. Et on a du mal. On essaye, il n'y a rien. Pendant 25 ans, tu as essayé de bâtir quelque chose et tout s'écroule. Tout. Et puis regarde tout ce que tu as gagné en travaillant. Tout cet argent que tu mets de côté. Le jour où tu mourras, tu sais qui c'est qui va en profiter? Quelqu'un qui n'a même pas souffert. Toutes ces maisons que tu construis là, tout ça là, quand tu vas mourir, voilà un neveu qui n'a même pas été présent, hein, et qui va arriver, qui va dire, l'héritage là, c'est, je prends part aussi, ma part aussi là-dedans. Tout est vanité. Hein? Tu prends du sable, un peu de ciment, tu mélanges, oh, on construit une belle ville. Oh, t'as vu village avec piscine? Oh. Et puis un faux pas, tac, tu glisses là-dedans, là, tac, tu te noies, c'est fini. On dit, mais attends, il est parti où? C'est fini. On dit, son corps est là, mais lui, il est parti où? Oui, mais son corps est là. Oui, mais lui, il est où? Eh bien, il est parti. Avancer en plein eau, c'est risqué pour beaucoup parce qu'il faut la foi pour avancer en plein eau. Parce que là, on n'a pas pied. On n'a pas le contrôle. Mais oui, mais si je ne fais pas ça, mais comment les hommes vont faire pour me voir? Oui, mais il faut que tu avances avec lui. Il faut que tu viennes à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est un enfant qui aime Dieu. Il a dit amen. Alléluia, gloire à Dieu. On a du mal. Vous savez, on est habitué. Vous savez, regardez, quand il faut déménager, quand il faut quitter nos villes, parfois on a du mal, vrai ou faux? Parce qu'on est, on aime les repères. Hein? On dit, ah non, recommencer tout à zéro, c'est compliqué, tout ça. J'aimerais bien me faire baptiser, mais je ne suis pas prêt. Parce que le baptême, c'est un engagement. Mais il faut quand même que je réfléchisse. Mais oui, mais ce jour-là, le Zika dit, ah, tac, 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 tac.
C'est fini. Mais oui, je suis sûr que je parle à un jeune homme ici. Je suis sûr. On l'a invité, je suis sûr. Rassure-toi, personne ne m'a parlé de toi, mais Dieu me parle de toi. Je suis sûr. Tu fais un peu du sport, je suis sûr. Bah oui, sportif. Bah oui, mon grand. Bah oui, Dieu t'aime. Dieu t'aime, sportif. Dieu t'appelle. Moi, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît depuis le ventre de ta mère. Dieu te connaît. Tu es un jeune homme qui fait du sport, un jeune homme qui n'aime pas l'injustice, un jeune homme qui veut aider beaucoup de gens, un jeune homme qui veut défendre tout le monde. Tout ça, au nom de Yeshua, et Dieu me dit qu'il te connaît depuis le ventre de ta mère, c'est lui qui t'a appelé. Tu as vu beaucoup d'injustices, même dans ta famille, des choses qui te révoltent, tout ça dans le monde, dans ce pays, ici et là. Et Dieu te dit, je veux que tu sois un ambassadeur pour moi. Je veux que tu annonces ma parole aux jeunes. Tout ça, là, au nom de Yeshua. Je te vois signer les grands contrats et gagner beaucoup d'argent pour aider les autres. Au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, ils étaient pêcheurs. Ils connaissaient leur métier. Mais ce n'est pas parce que tu es pêcheur que tu vas attraper du poisson. Hein. C'est Dieu qui décide. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui décide. Ah, vrai ou faux? Pierre, toute la nuit. Dorade, viens s'il te plaît. Chinchard, viens s'il te plaît. Tout ça, je prophétise, poisson, venez ici. Quand les poissons voyaient le filet de Pierre, ah, alléluia. Il y a des gens comme ça, ils sont pasteurs, mais il n'y a pas d'âme, il n'y a personne. Pourquoi? Parce que les hommes se disent, ouh, le filet là, c'est pas bon. Vous savez comment ils font pour nous détruire, non? Mais plus ils parlent, plus Dieu envoie du monde. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a la parole, il y a la parole. Alléluia. Le Seigneur, c'est Dieu est bon. Toute la nuit, ils ont travaillé, mais il était où le Seigneur toute la nuit? Il les a laissés travailler comme ça d'abord. Vous savez, Dieu, c'est comme un enfant qu'il faut toucher au feu. Dieu te laisse toucher un peu le feu pour que tu goûtes un peu hein, à la chaleur, à la souffrance. Il a dit, laisse-les. Michael, oui maître, laisse Pierre pêcher toute la nuit. Il va apprendre. Alléluia, amen, oh poisson. Non. Alléluia. Toute la nuit, c'est-à-dire de 19h à quelle heure? 6h. Oh, il retire le filet, personne. Il jette encore, personne. Même pas une étoile de mer. Que de la caillasse. Que du sable. Et Dieu dit, bon, maintenant, la nuit est passée, je veux venir maintenant pour les aider un peu. Leur donner une bonne leçon. Alléluia. Pêcheur, oui. Jésus n'était pas pêcheur, mais Jésus est la parole, frère et soeur. Alléluia. Oh, Jesus Christ. La création reconnaît la parole du Créateur, frères et sœurs. Jesus Christ. Nous voulons vous prêcher le Dieu qui parle. On n'est pas là, on n'est pas dans une religion. On n'est pas là en train de dire, il faut m'apporter déjà la barre, je ne sais pas quoi là-haut, laisser pousser la barre. Et ceux qui ne sont pas barbus, ils font comment? Ceux qui ne sont pas velus, ils font comment pour tout ça là, c'est quoi? Tout ça là, c'est la religion. Dis à tout le monde, la religion. Voilà. Et le Seigneur dit, il est l'heure. Il vient toujours au bon moment. Et là, le Seigneur se pointe. Je peux voir sa démarche, mes amis. Quelle démarche! Quand Jésus marche, c'est l'excellence même. Chaque pas est une mélodie. Alléluia! Oh, Jésus de Nazareth. Jésus, il est spécialement, particulièrement spécial. Jésus, il est sagement sage. Grandement magnifiquement, magnifique. Hautement, haut. Longuement, long. Profondément, profond. Largement, large. Infiniment, infiniment. Puissamment. Bah là, allez-y, allez-y, allez-y. Il faut trouver des choses comme ça. Alléluia. Dignement, digne. Divinement, divin. Grandement. Magnifiquement, magnifique. Parfaitement, parfait. Puissamment, puissant. Éternellement, éternel. Suffisamment, suffisant. Bah alors, Jésus, c'est tout ça là. Il a dit aux gens, qui de vous peut me convaincre du péché? Il a dit ça à qui? Posez-moi la question à qui?
il y avait Mohamed, il y avait tout ça, Bouddha, il y avait Confucius, tout ça. Il dit, qui de vous là? Qui de vous peut me convaincre que moi, Jésus, tu péchais? Il dit, toi, Bouddha, tu as boudé, tu as péché. Il dit, toi, Confucius, tu es dans la confusion. Il dit, toi, Mohamed, tout ça là, tout ça là, tout ça. Il dit, tout ça là, qui de vous? Personne n'a levé la tête. Ils ont dit, personne. Jésus. Écoutez, vous avez déjà vu quelqu'un qui est crucifié? Crucifié. Hein? Dieu, on va être crucifié. Et il dit à quelqu'un, tu seras avec moi au paradis. Il dit à notre crucifié, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Vous avez déjà vu ça? Qui? Attends. Jésus. Le jour où on l'arrête, c'est le jour où un meurtrier a été libéré. Sans caution. Il arrive, il trouve Pierre fatigué. Jean fatigué. Toute la nuit, les mains fatiguées, tout ça, ils étaient fatigués. Et on nous dit que le filet se rompait, non? Donc le même le filet était fatigué, usé toute la nuit, tout ça. Et là, il arrive, il dit, il monte d'abord sur l'une des barques. Il commence à enseigner d'abord. Il faut d'abord la parole. Il enseigne là. Parce que la foi vient de ce qu'on a. Il faut entendre. Pas des colloquins sauvages. Hein. Pas donne ta dîme, tu seras béni. Ça, c'est des voleurs. Tout ça, là, c'est... Non, c'est l'arnaque. Non, c'est l'arnaque. Voilà. Il dit, il enseigne. Et puis, il dit, avancez en plein eau. Regardez Pierre, Seigneur, on a travaillé toute la nuit. On n'a rien pris. Il dit, mais sur ta parole. C'est fort. Hein? C'est fort. Vous savez, nous chrétiens, nous sommes un peuple, le peuple du livre. Nous sommes le peuple du livre. Nous marchons selon la parole. Nous ne marchons pas selon la vue. Nous marchons par la foi parce que nous avons des promesses. Il y a plus de 6000 promesses dans ce livre, frères et sœurs. Et l'une de ces promesses-là, c'est quoi? On te fera la guerre. Mais on ne te... Oh, yo. Jésus, il dit sur ta parole, je veux le faire. Pourquoi? Parce que les poissons qui étaient à 10 000 km, je ne sais pas où, là, ils ont reçu l'ordre. Les poissons, ils ont fait demi-tour. Ah, alléluia! Frère, la parole de Jésus a créé un code de la route. Je dirais code des eaux. Les poissons ont vu tout de suite le code sur l'autoroute. Oh, bifurcation. Panneau qui indique, frères et sœurs, le... Oh, ya. Alléluia. Je peux voir un groupe de dorades qui se baladaient au nord des tombées. Stop. Route à sens unique. Demi-tour. Je peux voir, mes amis, les chanchards. Alléluia. Stop. Demi-tour. Je peux voir même des requins. Il y en avait, frère, sur la table. Tilapia aussi. Même le poisson là qui mange les hommes, c'est quoi là? Tout ça là. Les piranhas, tout ça dedans. La parole a été libérée. Frère, je veux dire à quelqu'un ici qui est condamné par la médecine, je veux dire à quelqu'un ici, là, alléluia, ta guérison est déjà... Oh, Jesus Christ, alléluia. Alléluia! Une femme est venue, elle a dit, je veux avoir des enfants, mais on m'a fait une ablation de l'utérus et des trompes, il n'y a plus rien. Je lui dis, il n'y a pas de souci, tu crois que Dieu peut te guérir? On a prié, frère, et par voir le médecin, l'utérus repousse, les trompes repoussent, frères et sœurs. Je veux dire à quelqu'un ici, alléluia, nous avons des organes de rechange au ciel. Nous avons de... Aïe, 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 alléluia! Si Monsieur Peugeot a des pièces de rechange pour ses véhicules, et celui qui nous a créé, frères et sœurs, oh, alléluia, celui qui a créé ton cœur, là, mes amis, là, celui qui a créé tes reins, là, frères et sœurs, oh, alléluia, c'est possible que tu sortes de la dialyse, c'est possible, oh, que tu sortes de ce péché, c'est possible. Jésus, hein.
Les poissons ont obéi à la parole. Sur ta parole. Je veux dire à quelqu'un, si Dieu a parlé sur toi, quoi que les gens pensent, quoi que les gens disent, quoi que les gens... Oh, alléluia. Quels que soient les complots, Dieu a parlé. Dieu a dit, celle-là, c'est ma fille. Celui-là, c'est mon fils. Dieu a dit, oh, alléluia. Il y a des médecins qui disent, non, là, il y a eu miracle. Là, il y a eu guérison. Là, une femme arabe est venue me voir à Bruxelles. Elle était musulmane. Elle est venue à un programme comme celui-ci. Elle dit, non, j'ai des fibromes partout, on doit m'opérer, mais j'ai peur de l'opération parce que c'est assez risqué. Est-ce que vous voulez prier pour moi? Je lui dis, moi, je ne peux pas vous guérir, mais je connais quelqu'un. Je vais vous amener à la personne. Je vous laisse devant cet homme-là, Yeshua. Elle dit, il n'y a pas de problème, j'accepte. Ok. Beaucoup de fibromes partout. Je prie pour elle au nom de Yeshua. Elle est partie voir son médecin. Le médecin a crié. Où sont les fibromes? Tout a disparu. Et le médecin a signé un document pour dire qu'il n'y a plus besoin d'opération. Tout a disparu. Et la dame a dit, Jésus m'a... Ce que l'autre n'a pas pu faire, Jésus l'a fait. Et il y a beaucoup de musulmans en Belgique qui se convertissent comme ça. Beaucoup. Sur ta parole. Sur ta parole. Qu'est-ce que Jésus a dit sur toi, mon frère? Qu'est-ce qu'il a dit sur toi? Qu'est-ce que tu as reçu comme parole du Seigneur? Qu'est-ce que tu as reçu comme promesse du Seigneur? Qu'est-ce que tu as reçu? Ne vis pas par rapport aux critiques des gens. Ne vis pas par rapport à ce que les gens disent de toi. Quand Dieu t'a parlé, personne n'était là. Quand Dieu t'a établi, personne n'était là. Quand Dieu t'a créé, mon frère, personne n'était là. Quand Dieu t'a oué, personne n'était là. Quand Dieu t'a mandaté, personne n'était là. Dieu a dit, Dieu a parlé. Et quand Dieu a parlé, même pendant la sécheresse, Dieu va envoyer la pluie. Oh, alléluia. Juste à l'endroit où tu es, il va pleuvoir. Oh, alléluia. Et je vous dis une chose, plus le Seigneur revient, plus sa gloire est manifeste. Plus Dieu revient, plus sa puissance se manifestera. Je vous dis une chose, vous savez pourquoi il y a tous ces attentats? C'est la troisième guerre mondiale. Nous sommes à la veille de la troisième guerre mondiale. Je vous dis la vérité, c'est entre l'islam et le judaïsme. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et depuis, à partir de demain, on va commencer à parler de la prophétie biblique pour vous montrer ce qui se passe, ce qui va se passer. Et en même temps, le Seigneur est en train de dire à son peuple, avancez en plein eau. C'est-à-dire, quittez le bord, quittez la religion, quittez tout ce qu'il y a, tout le système, là, quittez tout ça, là. Allez en plein eau, en plein eau. Vous savez pourquoi? Regardez dans Ézéchiel 47. Dans Ézéchiel 47, il y a un homme qui marchait. Il marchait, et l'eau sortait du temple. Et il avait de l'eau au niveau des chevilles. C'est le zèle. Et il continue à marcher. Et il avait de l'eau au niveau des genoux. Ça, c'est la prière, l'adoration. Alléluia. Il continue à marcher. Il avait de l'eau au niveau des reins. Ça, c'est quand Dieu te sonde. Quand Dieu change ton intérieur. Alléluia. Parce que tu es un adorateur. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté là. Il a continué à marcher. Il n'avait plus pied. Et il a commencé à nager. Il a commencé à nager parce qu'il n'avait plus le contrôle. Et il a commencé à se laisser guider par le courant d'eau, par le fleuve. Et je vais te dire, toi chrétien, toi enfant de Dieu, toi qui as quitté Babylone, toi qui quittes le péché, toi qui quittes le monde, toi qui suis Jésus-Christ de Nazareth, tu vas avancer en plein eau. Tu vas quitter ta ville, tu vas quitter ton pays, tu vas quitter ta situation, tu vas quitter ta condition de servitude et tu vas avancer en plein eau. Et là, le feu de Dieu, le réveil, la puissance de la résurrection, alléluia, le fleuve d'eau vive couleront de ton sein. Oh, il y a une gloire ici là. Oh, il y a une gloire ici là, une gloire ici, la gloire de Dieu. Oh les gars, la puissance de Dieu, le réveil va toucher les nations, va toucher vos pays, va toucher vos vies. La gloire est là. Ça, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. La gloire. La gloire. Dieu dit, réveillez-vous, réveillons-nous. Frère, il va se passer des choses terribles. Il va se passer des choses terribles. Merci.
Dieu demande à ce que l'on se sanctifie. On va avancer en plein eau. C'est ce que Dieu demande à ses serviteurs. C'est ce que Dieu demande à ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il veut faire de nous des pêcheurs d'hommes. Parce qu'il y a une grande moisson qui se prépare. Les gens sont angoissés. Les gens sont perdus avec tous ces attentats, avec tous ces problèmes, toutes ces guerres, avec tous ces problèmes politico-religieux, tous ces problèmes politico-économiques. Les gens sont angoissés. Il y a une angoisse qui frappe les nations. Nous sommes à la veille de la troisième guerre mondiale. Et je voudrais vous dire ceci, que l'Iran aura la bombe nucléaire, la Perse. Et nous sommes à la veille de la troisième guerre mondiale. C'est déjà là. L'Antichrist est déjà en place. Et pendant des années, nous sommes restés au bord de l'eau, au bord du lac. La religion, le péché, la compromission, les murmures, la peur, les choses de ce monde. Et Dieu dit, mes enfants, mon peuple, avancez maintenant en pleine eau. Pourquoi? Parce qu'il y a en pleine eau, il y a tous ces poissons qui sont troublés, qui sont angoissés, qui sont déçus des églises, qui sont déçus de la religion. Tous ces musulmans qui cherchent Dieu véritablement. Et Yeshua revient. Yeshua revient. Yeshua revient. Yeshua revient. Yeshua revient, frères et sœurs. Yeshua revient. Et en plein eau, en plein eau, en plein eau, en plein eau, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Il y a beaucoup de gens qui cherchaient à atteindre des objectifs qui s'étaient assignés eux-mêmes. L'argent, la richesse, l'enrichissement, les femmes, les hommes, la gloire de ce monde. Et il y a des pêcheurs que Dieu veut sauver. Et il y a aussi des messagers et des messagères que Dieu prépare. C'est des chrétiens que vous êtes, que nous sommes. Chrétiens, chrétiennes. Et Dieu dit maintenant, il faut avancer en plein eau. C'est-à-dire, il faut arrêter de regarder à nos propres problèmes, à nos propres combats. Il est l'heure maintenant de se dire, il y a, l'heure est arrivée, l'heure est là, le Seigneur revient. Et nous avons des filets spirituels que Dieu nous a donnés. Les dons que Dieu nous a donnés. Nous avons des choses que Dieu nous a données. Et voilà pourquoi, frère, quand on avance en plein eau, on quitte le péché. Vous qui vivez encore en concubinage, mettez vos vies en règle. Il est l'heure, le Seigneur est en train de revenir. Je vous assure, frères et sœurs, vous ne voyez pas que la terre est secouée dans tout le sens. Vous ne voyez pas que ça pète de partout, ça explose de partout. L'ennemi est en train de récupérer tout ce sang de toutes ces personnes, des enfants, des bébés, des parents, des femmes qui laissent leurs enfants, des hommes qui laissent leurs bébés, qui ne pensaient pas pouvoir mourir comme ça, des familles qui sont éclatées. Le sang qui coule. Et Dieu dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et des chrétiens sont encore enfermés dans leur bâtiment d'église et ils ne voient pas que Dieu les appelle à passer à autre chose. Dieu dit, il faut passer à passons à autre chose. Dieu est en train de revenir, mes amis. Vous ne voyez pas que Yeshua revient? Vous ne voyez pas que le monde va mal? Vous croyez encore à ces hommes qui nous promettent le paradis sur terre? Vous croyez encore à ces partis politiques qui vous promettent, n'est-ce pas, encore un paradis sur terre? Vous ne voyez pas que tout est arnaque? Vous ne voyez pas que tout ça c'est fini? Vous croyez encore en ce monde de ténèbres, ce monde de confusion, mes amis? Où l'on est monté les uns contre les autres, les blancs contre les noirs contre les blancs, les arabes contre les blancs, on est complètement... Tout ça, la religion, Dieu n'est pas dans la religion. Dieu n'est pas dans la religion, frères et sœurs. Dieu est esprit, Dieu règne, Dieu est assis sur son trône. Et depuis les cieux, Dieu appelle son peuple à avancer en pleine eau. Depuis les cieux. Et si tu veux être sauvé, si tu veux aller au ciel, il est l'heure de se sanctifier. Il est temps de se mettre en règle. Il est l'heure, jeune femme, d'abandonner ce péché mignon. Il est l'heure, jeune homme, de te dire que tu dois mettre de l'ordre.
Dieu t'a laissé du temps. Dieu t'a laissé du temps. Pendant des années, tu as fait cet accident, tu pouvais mourir. Dieu n'a pas permis que tu meures. C'est parce que Dieu a un projet pour toi. Dieu a un plan pour toi. Regarde tes amis qui sont décédés. Regarde les personnes que tu connais qui sont mortes. Et Dieu t'a gardé toi. Pourquoi? Tu penses que parce que tu es encore jeune? Non, la mort peut t'emporter à tout moment. La mort peut nous emporter à tout moment. Le Seigneur nous accorde encore une grâce. Et il nous invite à aller en plein eau. Aller en plein eau, c'est abandonner certaines amitiés, certaines compagnies qui peuvent nous nuire. Certaines camaraderies. Cette copine qui peut t'entraîner dans le mal. Dieu te demande aujourd'hui de mettre de l'ordre. C'est la séparation, c'est la sanctification. Aller en plein eau, c'est la sanctification. Vous voulez vivre le réveil, vous voulez voir la gloire de Dieu, mes amis. Vous voulez que Dieu se manifeste dans nos vies. Il faut avancer en plein eau, il faut aller plus loin encore, plus loin encore. Ça va vous coûter cher. Ça peut coûter votre réputation. On va vous critiquer, on va vous lapider, on va vous critiquer. On va vous traiter de tous les noms. On va vous combattre, on va vous traiter de secte, de gourou, tout ce que vous voulez, tout ça. Mais Dieu dit, n'obéissez pas aux hommes. Obéissez à ma parole. Pierre a dit, sur ta parole Seigneur, faites les choses selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Dieu dit, sanctifiez-vous. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Jeune fille, depuis des années, tu sais que tu dois te sanctifier. Tu remets toujours au lendemain ce que tu dois faire aujourd'hui. Ça te dit, c'est maintenant qu'il faut que tu changes. C'est aujourd'hui qu'il faut que tu changes. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour de ton salut. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et là, il jette le filet. Et la parole nous dit, il y avait beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons. Pourquoi? Parce que c'était l'ordre du Seigneur. Faites ce que Dieu vous a dit dans le coulisse. Ne faites pas ce que les hommes veulent que vous fassiez. Faites ce que Dieu vous commande, ce que Dieu vous a dit. N'obéissez qu'au Seigneur. Parce que les fruits qu'on en tire, qu'on en retire sont meilleurs. Obéissez au Seigneur. Obéissez à la parole de Dieu, mes amis. Même si quelqu'un doit te quitter, jeune femme, même si ce jeune homme doit te quitter parce que tu décides de te soumettre à Dieu, accepte-le. Parce que il est question de ton salut. Il est question de ton salut. Dieu sait combien tu souffres. Dieu sait combien tu pleures. Dieu sait combien tu as été blessé. Dieu sait combien tu as été déçu. Dieu sait combien tu te sens seul. Dieu sait combien tu n'en peux plus. Et Dieu dit, il est l'heure pour toi que tu avances en plein eau. Il est l'heure. Il est l'heure. Et quand ils ont pris tous ces poissons, ils les ont laissés. Le fruit de leur souffrance, ils ont tout laissé. Pourquoi? Parce que, en obéissant à la parole de Dieu, ils ont expérimenté le miracle des poissons. Et quand ils ont vu ce miracle, ils se sont dit, nous préférons celui qui fait les miracles au miracle. Nous préférons celui qui bénit à la bénédiction. Ah, oh, ils préfèrent celui qui bénit plutôt que la bénédiction. Et ils ont suivi le Seigneur. Ils ont laissé tous les poissons. C'est ça aussi, avancer en plein eau en fait. Le Seigneur voulait leur dire quoi? Vous êtes attaché aux poissons. Vous êtes attaché à votre métier, c'est bien. Mais je veux que vous partiez, vous allez plus loin. Avancer en plein eau, ce n'est pas l'eau physique, c'est suivre le Seigneur. Ils ont eu du poisson et ils ont suivi le Seigneur. C'est ça, avancer en plein eau. Avancer en plein eau, c'est de se dire, pendant des années, je cherchais l'argent. Et j'ai eu cet argent. Et je m'aperçois que, en fait, c'est pas ça dont j'ai besoin. C'est pas de ça dont j'ai besoin. En fait, ce dont j'ai besoin, c'est de suivre le Seigneur. C'est de marcher après Yeshua. Et regardez ces hommes, parce qu'ils ont suivi le Seigneur, eh bien, ils ont marqué leur génération. Ils ont marqué leur temps. Pierre, Paul, Jacques, Jean, Jude, tous ces hommes, Matthieu, Marc, Luc, ils ont marqué leur génération. Et ils nous ont marqué également, frères et sœurs.
Et je voudrais vous dire, mes amis, que Yeshua est de retour. Il est de retour. Il nous reste très peu de temps. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la Bible nous enseigne, les Écritures nous disent que Dieu va revenir un jour. Et tous les événements que connaît le monde, guerre, famine, problèmes climatiques, je suivais le discours de Laurent Fabius qui disait à l'Assemblée nationale en France ici, il disait qu'il nous restait 500 jours avant qu'il y ait, n'est-ce pas, une catastrophe climatique. Il appelait les gouvernements à intervenir rapidement, les gouvernements des nations. Mais en fait, tous ces gens se rendent compte que le monde va mal. Oui, même s'ils veulent établir le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial, ça on le sait, la parole nous en parle, mais nous savons néanmoins, nous qui sommes enfants de Dieu, que notre départ est proche, notre délivrance. Nous partirons que ceux et celles qui se sont sanctifiés, ceux et celles qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, ceux et celles qui aspirent au retour de Yeshua, qui sont fatigués de la terre, qui se rendent compte que nous sommes dans un monde où il y a de la haine. Des peuples sont montés les uns contre les autres. Il y a de la violence en permanence. Et on est fatigué. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que servirait-il à un homme de gagner des milliards s'il perdait son âme? Tout est vanité. On a connu de grands joueurs de foot, milliardaires, millionnaires, et qui sont morts sur le terrain. Crise cardiaque. Vous avez vu ce jeune homme cycliste belge qui est mort la semaine dernière. Il était tout jeune, plein de vie, plein de vie, 25 ans, plein de vie. Il est mort. Que cherches-tu? Que veux-tu? Que fais-tu de ta vie? Comment gères-tu ta vie? Tu n'es pas éternel. Tu dois être un bon gestionnaire de ta propre vie. Les amis, un jour on va les abandonner, un jour on va aussi les perdre. Ne laisse pas tes amis t'égarer loin de Dieu. L'argent, c'est quoi? Regardez l'argent. C'est quoi? Qui a un billet ici, là? Montrez-moi un billet, peu importe. L'argent. Qu'est-ce que l'argent? Merci, je vais te le rendre. C'est quoi? À la base, c'est du bois. Transformé en papier. Découpé par les hommes mortels. Et dessus, on met de l'encre. Et un homme mortel vient et il signe. Et on met dessus 10. On lui donne de la valeur. Du papier, de l'encre. À cause de ça, on vend son corps. À cause de ça, on fait des guerres. À cause de ça, on viole. On tue. Et le jour où on va mourir, on va même pas être enterré avec. Même si on t'enterre avec, tu n'en auras plus besoin. Tout est vanité. Vous vous rendez compte? Ceux qui ont créé cette richesse, comment ils nous ont poussés à la bêtise, à la vanité? Et toi, homme, femme, créé à l'image de Dieu, on te dit dans ce monde que si tu n'as pas ces billets, si tu n'as pas ce billet, si tu n'en as pas beaucoup, eh bien, tu n'as aucune valeur. Et on va juger les gens en fonction de ce bout de papier. On va les considérer ou les déconsidérer. On va les accueillir ou les rejeter, juste à cause de ça. Et on va épouser un homme juste à cause de ça. Vous voyez à quel point nous sommes manipulés. Et on croit être libre. Penses-tu être libre? Et à cause de ça, la télé te dit comment tu dois t'organiser, comment tu dois t'habiller. À cause de ça. On se fait des guéguerres pour voir ses enfants
qui sont explosées, ces jeunes filles qui se font exploser 10 ans au Cameroun sur un marché. Cette jeune fille qui s'est, cet enfant, 10 ans, explosé. Elle portait une ceinture explosive. 10 ans pour ça. Allez dans l'est de la RDC, vous allez voir toutes ces femmes violées. On demande aux enfants de violer leur mère. Près de 10 millions de morts. Tout ça à cause de ce bout de papier. Et qui sont ceux qui sont à la base de ça? Ce sont ces hommes et ces femmes en tailleur, en costume et cravate. Et qui ont créé ce monde dans lequel nous sommes, c'est-à-dire ce système monétaire, financier, matériel. Et les hommes sont comme des machines. Vous avez vu quand vous prenez un train, regardez, chacun est sur sa tablette, sur son ordinateur. Il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de dialogue. Les gens ne se connaissent plus. Ce sont des machines. Vous avez vu? Regardez la télévision qui nous dit comment une femme doit être. La beauté parfaite. Vous avez vu toutes ces femmes qui chantent, qui soi-disant sont des modèles pour des milliards de jeunes filles. Avec Photoshop, vous avez vu tout ce qui se passe dans ce monde? Regardez ces personnes sans maquillage. Voilà le monde qu'on vous a façonné. Un monde superficiel. Et on boit ces eaux empoisonnées, ces eaux amères. Vous avez vu? C'est ça le bord. Et à cause de ça, des pasteurs viennent et vous disent, eh bien, plus vous avez ce billet, plus Dieu vous aime. Plus vous avez ces billets, tout ça là, ce type de billets, 10, 20, 30, eh bien, plus Dieu vous bénit. Eh bien, plus vous avez ces billets, eh bien, plus vous allez être à leur côté et les suivre partout. À cause de ça. Ça. Voilà le message qui est prêché dans près de 95% d'églises aujourd'hui. Ça. Et vous pouvez le déchirer, si vous le déchirez, c'est fini, plus de valeur, fini. Voilà le message d'aujourd'hui, le Dieu Mammon. À cause de ça, des jeunes filles sont prêtes à épouser n'importe quel homme. Parce que des parents leur disent, il faut absolument avoir quelqu'un qui a tous ses billets. Peu importe son éducation. Peu importe si cet homme a des principes moraux ou pas, c'est pas ton problème. Le problème, c'est avoir ça. Et avec ça, qui est devenu un dieu, on tue, on épouse, on divorce, on se remarie. Et avec ça, à cause de ça, des couples travaillent comme des malades, au point où ils ne se voient plus, l'homme et la femme, à cause de ça. Et ils se séparent. Divorce, remariage. Vous avez vu? À cause de ça, des jeunes comme vous, vont vendre de la drogue. Parce qu'on leur a dit, plus vous allez avoir ça, plus vous allez avoir des vêtements, plus vous allez être respectés. Ils vont s'acheter des grosses voitures. Ils vont commencer à flamber avec. Ils vont commencer à se la jouer avec. Et tac, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont fragiles. Ils vont faire un accident. Et puis hop, ils deviennent des légumes. D'autres meurent à cause de ça. Pensez-vous que votre vie se résume à ça? Pensez-vous que ce billet, ce bout de papier, soit cette chose qui va définir votre vie, votre valeur? Honnêtement? Non. Oh Dieu. Ils ont travaillé toute la nuit pour avoir des poissons, pour les vendre. En les vendant, ils allaient avoir ce billet, de l'argent. Toute la nuit pour avoir ça. Et quand ils ont eu cet argent, pierre, tout ça, ils se sont dit, mais ce n'est que de l'argent, ce n'est que du papier.
Et c'est à cause de ça qu'on a passé toute notre nuit, la souffrance, juste pour ça. Quand ils ont eu ça, ils se sont aperçus que tout est vanité. Et le Seigneur est venu. Il dit, bon, vous avez reçu, vous avez eu ce que vous voulez? Oui. Vous êtes dans la joie? Oui. Mais en fait, vous n'êtes pas comblé. Alors suivez-moi. Ils ont laissé tout ça. Ils l'ont suivi. La vraie richesse. C'est Dieu qui nous donne de la valeur. C'est Jésus. Vous savez pourquoi? Je l'ai expérimenté. Je peux vous témoigner. Je vais donner deux ou trois témoignages pour vous encourager. Ce n'est pas pour parler de nous. Avec mon frère Paul qui est là, je tairai le nom de ce président. J'ai toujours entendu parler des présidents. On voit les présidents à la télévision, tout ça. J'étais au Togo, en mission il y a quelques jours. Lorsque je reçois, je vais recevoir un SMS me disant qu'il y a tel président de tel pays qui, bien sûr, aimerait te voir tel jour. Je rentrais un lundi matin. Et il fallait que je le voie le même lundi dans la matinée. Je pris l'avion un dimanche, Lomé, Paris. On atterrit à 6h40. Et il fallait aller voir ce monsieur vers 11h. Je prends le TGV, je file directement dans cette ville, cette province. J'appelle mon frère Paul de Lille. Il est venu me rejoindre et j'ai vu cet homme. On ne fait pas de la politique, mais on peut prier, dire à ces hommes, ces dirigeants, que Jésus revient. Le Seigneur a dit, vous allez témoigner de moi partout. Et quand j'ai vu cet homme arriver, je me suis dit, c'est le président. C'est un homme. Comme toi, comme moi. Ce n'est qu'un homme. Président n'est qu'un homme. Et l'esprit m'a saisi pour lui dire la parole, lui partager la vérité. Le frère Paul, mon frère Paul, l'esprit l'a saisi pour lui partager la parole, la vérité. Et des pasteurs vont voir des présidents, ils perdent leur contrôle et ils vont commencer à commander comme des petits chiens. Cours après un petit os. Et là, on est dans. Nous avons le roi des rois à nous. On a partagé la parole. On a donné ce qu'il y avait à donner. La parole, la parole, la parole. Et on est parti de là. Sans demander un euro. On a dit, on a fait notre part. Dieu fera la sienne. Et je me rends compte que on perd notre valeur, on perd notre onction, on perd notre autorité devant les riches de ce monde, alors qu'ils ne sont que de la poussière pour avoir quelques billets de banque. Et après, perdre à Dieu pour ça? Perdre la confiance de Dieu pour ça? Non. Et en sortant de là, j'étais fier de mon Dieu. Oh Dieu d'Israël, fier de mon Père Céleste. Et j'ai compris que nous avons notre papa là-haut. Encore, frère, soeur. Non. Et le président a pris sa BJC, la dernière version. Il l'a mis dans son sac. Il est rentré avec dans son pays. Et il médite bien sa parole là. Jusqu'au bout, cette parole va arriver, frères et sœurs. Alléluia. Yeshua revient. Dis à ton voisin, Jésus revient. Frère, Dieu fait des choses. Avançons en plein eau. Vous savez pourquoi? Parce que tous ces hommes-là, il y a des gens qui souffrent. Ils ont beau être président. Frère, quand l'onction est venue sur moi, quand je parlais la parole, le président était comme un enfant. Je dis, il est président, voilà. Il est président. Frère! Paul devant le roi Agrippa, prends la parole.
Je pars dans un pays africain. Deux personnes viennent me voir pour me dire il y a un général qui veut te voir. Frère, on est parti. On arrive chez le général comme ça, avec des militaires, avec Kalachnikov. Je dis, Seigneur, ici, là, c'est quoi, là? J'ai jamais vu des armes comme ça, là, Seigneur. Tout ça à cause de l'évangile, frère et soeur. Ça fait comme le lézard, là, Gecko, là. Ça rentre partout, comme Zika, là. Ça rentre partout. Jesus. Dis à ton avec Dieu, tu vas rentrer partout avec l'évangile. On a presque fini, hein. Après, on va passer à autre chose. On va rentrer. Tu mets des gardes-corps, mais quand la moustique arrive, là, personne ne lui demande où vas-tu. Vrai ou faux? Tu mets les gardes-corps avec Kalachnikov, mais quand le président mange et qu'il y a une mouche, qui lui dit, get down, sans invitation, la mouche est là. Eh bien nous, Dieu a dit partout, j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut. Kalachnikov, oui, mais Dieu m'a dit d'entrer là-bas. Frère, on arrive comme ça là. La femme du général dit, j'ai fait un songe cette nuit où je voyais trois anges venir chez nous et on était à trois. On a annoncé l'évangile. Le général dit, moi je refuse la franc-maçonnerie, je veux Jésus. Oh, alléluia. Jesus Christ. On a pressé Jésus. Frère, les militaires avec Kalachnikov comme ça là, disaient, nous voulons le baptême. Frère, baptême au nom de... Et là, le téléphone sonne, toujours dans ce pays. Un colonel, quelqu'un appelle, un colonel veut te voir. Ah bon? Colonel, un grand colonel. Il veut me voir. Et on donne rendez-vous là-bas, à la salle là-bas. Le colonel arrive avec ses gardes-corps. Et il voit les gardes-corps du général qui étaient là. Tous, entre eux là. Ouh là là. Tout le monde attendait son tour. Je dis, c'est moi, sans diplôme. Mes amis. Alléluia! Dis à tout le monde, Jésus est trop beau. Lui, il est trop fort. Il prend les choses viles, il les nettoie, il les sanctifie. Il est... Aïe, 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 aïe. Jésus. Enfin, j'étais avec ma Bible comme ça là. J'ai dit, Seigneur, ici, avec les Kalachnikov, ici, là, si ça explose, là, c'est compliqué. Croyant Jésus, c'est le seul Dieu, c'est le roi des rois. Frère, tu vois les généraux tout à genoux. On me dit, il y a d'autres femmes, les femmes des généraux veulent te voir. Les femmes des généraux, pour faire quoi? Pour entendre la parole. Frère, elle faisait la queue. J'étais là, Seigneur, je dis, Seigneur, ici, là, ça barde, ici, là, c'est compliqué. Alléluia! Et il fallait aller voir les orphelins, on est parti. Aller voir les pauvres, on est... Frère, l'évangile, je vous dis, Yeshua revient. La Bible dit, tout genou, Yeshua. Tout genou, Yeshua. Les présidents, ils ont des genoux ou pas? Alors, ils ont, c'est les mêmes genoux, vrai ou faux? Les généraux, ils ont des genoux ou pas? Les colonels, ils ont des genoux ou pas? Au Gabon, on est comme ça, on parle à la maison, alors qu'on mangeait. Quelqu'un vient et dit, il y a un sénateur qui veut te voir. Un sénateur. Il y a un sénateur, il est au Sénat. Oui. Il veut quoi? Qui suis-je? Mais c'est Jésus. Tout ce qu'il voit là, ce que Dieu fait là, c'est compliqué. Ils sont troublés. Ils disent, mais il guérit comme ça Jésus? Ben oui, monsieur le général. Il guérit. Les francs-maçons viennent comme ça, disent, on apporte le tablier. On a essayé la franc-maçonnerie, le maître de l'univers là-bas, je sais pas, ça n'a pas marché. On a cancer, on a sida, on a si, on est fatigué, on a hépatite, on a tout ce qui... Ah bon? Vous croyez que Jésus peut me guérir? Oui, monsieur le pasteur, je ne suis pas pasteur, je suis un frère. Ok, monsieur le frère. Allez, au nom de... Cancer, au nom de... Frère, il va faire l'examen. Il n'y a plus rien, monsieur. Il n'y a plus rien. C'est gratuit. Combien faut donner? C'est gratuit. On est parti voir. En général, dit, on va donner les sangs. C'est gratuit. Jésus, moi, je le kiffe. Il m'a dragué. C'était fort. C'était plus fort que... Ah, jamais homme n'a parlé comme... Tu ne peux pas résister à Jésus. La preuve, tu es là. Au début, tu voulais pas, non? Oh, moi, moi, c'est les meufs, hein? Voilà.
Et puis tu te retrouves là. Et puis là, à la télévision, les gens qui regardent, ils disent, il fait quoi là-bas là? Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Mais t'es dans une secte. Non, mais en fait, le problème c'est que il m'a changé. Regarde, tu pleures, tu sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui lui arrive? En fait, il est amoureux. Mais un monsieur comme ça qui tremble, laisse tomber. Quand Jésus touche quelqu'un, un grand roi d'Arabie, Nebuchadnezzar, quand Dieu l'a touché, là, il était à genoux. Il dit, il n'y a pas d'autre Dieu que Yahweh. C'est pour ça que vous voyez ici, là, il y a des Indiens. La Kitlène, il y a des Arabes, il y a des Noirs, il y a des Métis, il y a des Marrons, il y a des Bleus, il y a des Chocolats, il y a... Martiniquais, c'est là. Africain, c'est là. Alléluia. Congolais, c'est là. Vous voyez ce que je veux dire? Congolais, tout ça là. Français, ici. Frère, qui peut faire ça? Avant, on se mangeait entre nous. Et puis du coup, on se retrouve tous là. Bonjour, bonjour. On sait même plus de quel pays on est, frères et sœurs. On dit, mais on fait quoi là-dedans? Mais parce que Dieu est là quelque part. Alléluia. Qui veut Jésus? Vous êtes sûr? Vous voulez le servir? Vous, est-ce qu'on peut lui faire un bisou? Un gros bisou. Mouah! Qui veut le suivre? Oh Jesus. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Oh alléluia. Pour finir, vous savez ce qui va se passer? Quand on va partir lors de l'enlèvement, parce que la trompette va retentir bientôt, le Seigneur m'a dit, change ton émission. Ce n'est plus la dernière trompette. C'est il est minuit. Le jingle change, il est minuit. Il m'a dit, achetez des instruments, tout ça, passez plus de temps dans l'adoration. Et vous allez prier avec les frères et sœurs du monde entier comme ça, adorer le Seigneur, et dit qu'il va envoyer un vent d'adoration, pas seulement chez nous, mais dans toutes les nations, là où il y a ces vrais enfants. Et on va rentrer tous les chrétiens du monde entier dans une nouvelle dimension d'adoration. En fait, c'est Jean 4 qui va se réaliser. Dieu demande des adorateurs. Et il dit, c'est par l'adoration que la parole, n'est-ce pas, va s'accomplir. Cette parole qui dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Oh, alléluia. C'est quand on adorait dans le temple que la gloire tombait. Oh, alléluia. C'est la dimension de l'adoration véritable, la consécration que l'église, alléluia. Oh, c'est par l'adoration que l'église va atteindre la perfection. Parce qu'il revient Jésus chercher une église glorieuse, une église sans tâche. C'est par la prière, c'est par l'adoration véritable, frères et sœurs. Oh, alléluia. Holy God, holy God, holy. Holy God, you are holy God. Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Alléluia. Jésus revient. Jésus revient. Oh, merci. Merci, Père. On monte. Dans l'adoration, dans la louange,
dans la consécration de nos vies. Oh Seigneur. Oh, oh. Merci Jésus, mon Dieu. Merci. Seigneur, merci. Merci. Maranatha, Maranatha. Seigneur, nous voulons nous avancer vers toi. Nous voulons, Seigneur, nous approcher de toi. Merci pour toutes ces guérisons. Toutes ces guérisons, Seigneur. Ces jambes que tu restaures, Seigneur, mon Dieu. Ces jambes que tu restaures. Ces cœurs que tu guéris, mon Dieu. Holy God. Le roi. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Bientôt, nous allons monter à la rencontre du Seigneur. Vers les cieux. Sa gloire resplendit. L'obscurité au son de ta voix, Seigneur. Au son de ta voix. Combien chantons-le, combien tous, tous verront, combien Dieu est grand, combien Dieu est délivre aujourd'hui encore. Je chanterai. Ne peuvent rien, Dieu peut toutes choses. Aujourd'hui, il peut. Merci. Dieu tout puissant.
car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, le ciel. Seigneur, merci. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous sommes ces ouvriers, Seigneur, que tu as appelés. Et nous voulons vraiment te plaire en toutes choses, Seigneur. Garde nos cœurs dans ton amour. Toi seul peux nous restaurer, Seigneur. Toi seul peux nous guérir. Toi seul. Toi seul. Toi seul. Toi seul peux détacher ces hommes et ces femmes de leurs chaînes. Ces chaînes avec lesquelles on les a attachés. Aujourd'hui, Dieu libère quelqu'un ici de toutes ces chaînes. Ces chaînes qui pèsent sur toi. Ces chaînes qui pèsent sur ta vie, sur ta famille, qui t'emprisonnent. Dieu sait, Dieu a vu. Dieu les brise totalement. C'est ce jour que Dieu a choisi pour te rendre totalement libre. Libre de ce fardeau. Libre de cette dépendance par rapport aux médicaments également. Au nom de Yeshua. Cette mort qui rôdait autour de toi, qui rôde, qui va rôder encore selon les hommes qui t'agressent, selon ces personnes qui désirent ta mort. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, te rend libre, totalement libre. Au nom de Yeshua, femme, voici ton jour. Mon frère, voici ton jour. Au nom de Yeshua, j'ordonne à cette chose qui te condamne, j'ordonne à cette maladie qui te brise, de sortir de ta vie définitivement au nom de Yeshua. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité sur cette chose-là, cette chose qui te ronge. Tu es là, tu es venu dans l'espoir que le Seigneur, n'est-ce pas, te fortifie, te libère. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté, Père. Merci pour ta bonté, Père. Merci. 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 Cet esprit te quitte. Va-t'en. Au nom de Yeshua. Tu as été vaincu. Yeshua a triomphé de toi. Ta place n'est plus là. Cette personne ne veut plus de toi et tu le sais. Cette femme que tu veux détruire. Cette femme qui est venue de loin. Cette femme qui veut s'en sortir, cette femme qui n'en peut plus, cette femme qui est angoissée. Ma sœur, là où tu es assise, le Seigneur a vu. Père, merci. Le Seigneur, comme un père, pose sa main sur ta vie et te sort de ce trou, de ce trou, de ce trou dans lequel l'ennemi a voulu te mettre. Oui, une porte était ouverte et l'ennemi en a profité pour te briser. Le Seigneur est en train de restaurer ton corps, de restaurer tes membres au nom de Yeshua. Maintenant, sors d'elle. Sors au nom de Yeshua. Quitte ce corps. Quitte ce corps au nom de Yeshua. Alléluia. Amène-la moi celle-là au nom de Yeshua. Alléluia. La puissance de Dieu. Le Seigneur est en train de libérer des gens ici. Il y a une personne également qui est ici. Les démons te tirent vers le bas. Rien ne va dans ta vie. Tu es tiré toujours vers le bas, toujours vers le bas. Ta vie est une succession d'échecs, une succession de confusion, tout ça.
tu vas sortir démon. On acclame le Seigneur pour sa puissance véritable. Démon, sortez maintenant. Sortez le corps. Voilà, allez, sortez des corps. Sortez, je dis au nom de Jésus de Nazareth. Vous allez quitter ce corps. Oh, la puissance de Dieu. La gloire de Dieu. On ne va pas te laisser, démon, tu vas sortir. Il y a un autre esprit ici. Oh Seigneur. C'est un esprit de famille, quelqu'un qui est ici. Ta famille, des gens de ta famille, des satanistes, bien évidemment, ont décidé que ta vie ne devait plus t'appartenir. Ils ont volé ta vie, ils ont volé, n'est-ce pas, ta santé, ils ont volé ton trésor, ils ont volé tout ce qui a de bon chez toi. Et ta vie est comme tourmentée, tu es là, tu es venu, tu es là, tu sens la mort, tu sens cette odeur de la mort. Alléluia, Dieu que je sers a vu ta souffrance. Et au nom de Yeshua, je dis que cette chose qui te pollue sorte maintenant au nom de Yeshua. Oh démon, tu vas t'en aller. Oh si. Tu ne pourras pas me tuer. Tu ne pourras pas me tuer. Au nom de Jésus-Christ. On ne peut pas tuer un mort. Nous sommes morts en Christ. Ressuscités en Christ. Alléluia. Oh. Jesus. Qui croit que Dieu est tout puissant? Lâche ma soeur. Sors d'elle. Sors d'elle. Et tu sais que tu vas la lâcher. Tu ne peux pas m'atteindre et tu le sais. Allez maintenant, sors. Tu es obligé, démon. Tu es obligé. Et tu sais que Dieu m'a mandaté. Tu le sais? Ne bouge plus encore. Voilà. Voilà. Tu es vaincu par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus t'a vaincu. Ce corps n'est plus ta maison à partir d'aujourd'hui. Au nom de Yeshua. Il est mort à la croix pour nous. Il nous a sauvés. Il nous a délivrés de la puissance de ton maître. Jesus Christ. Ceux qui n'ont jamais vu ça, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas effrayés. C'est très biblique. La puissance de Dieu agit encore. Quand le Seigneur et Jésus-Christ prêchaient la parole, parfois les démons se manifestaient. C'est ça la puissance véritable. Voilà. Voyez, Dieu l'aime. Jesus Christ. Oh démon, c'est fini. Jeune fille, aujourd'hui c'est ta délivrance. Plus des rapports intimes avant le mariage. Au nom de Yeshua. Voilà. Wow. Dieu s'en occupe. Un esprit terrible des eaux. Ça, c'est un esprit des eaux qui se manifeste maintenant là. C'est Mami Wata, la sirène, qui gérait sa vie depuis son enfance. Mais Dieu travaille. Vous êtes là? Vous voulez que Dieu délivre son peuple, non? Le Seigneur s'en occupe. Vous voyez pourquoi il faut craindre Dieu? Parce que ces esprits-là, quand vous allez ensemble avec de telles personnes, sexuellement parlant, ben vous le recevez. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment être libéré par le Seigneur et se marier pour pouvoir avoir, vous comprenez? Voilà, c'est important. Il y a un autre esprit que Dieu est en train de chasser là, tout ça là, qui pareil embête quelqu'un depuis des années. La personne est venue ici, la personne souffre. Dieu
dans sa miséricorde, veut aussi la libérer, la soigner, la libérer de cette servitude. Ce démon est là. Tu ne peux plus maltraiter cette personne. Le Seigneur l'aime, le Seigneur l'appelle. Il est l'heure que tu quittes cette maison, que tu repartes d'où tu viens. Au nom de Yeshua, il est l'heure. Il est temps pour toi que tu t'en ailles. Je sais que tu es là depuis des années. Je sais que tu ne veux pas. Je sais que tu vis là-dedans et tu travailles. Je sais que tu as pris place, tu as pris position à l'insu même de la personne que tu possèdes. Hein? Donc tu travailles à l'insu de la personne que tu possèdes, je sais. Même les yeux de mon roi t'ont vu. La puissance de mon Dieu vient sur ce corps pour briser toutes ces chaînes avec lesquelles tu l'as attaché au nom de Yeshua, afin de rendre cette personne libre, libre également de toutes les malédictions familiales de cette personne. Le Seigneur est en train de briser cette malédiction familiale, cette malédiction qui frappe de plein fouet ta famille au nom de Yeshua. Alléluia. On a prié pour toi ici et là, ce n'était pas ça. Mais le Seigneur dit aujourd'hui, c'est ton jour. Et définitivement, le Seigneur est en train de t'extirper, de t'arracher de là. Au nom de Yeshua, je dis, esprit impur, c'est précisément ce que tu es, esprit impur. Cette personne te vomit, tu entends? Te vomit au nom de Yeshua. Sors. Amen la moine. Oh Jesus, amène-moi cette femme. Sors d'elle. Tu pensais te cacher comme ça? Dieu voit toutes choses. Dieu qui nous a appelés voit toutes choses. Oh Jesus. Quelqu'un ici est en train d'être libéré d'un héritage, un héritage familial. Tu as hérité, arrêtez avec le chewing-gum s'il vous plaît, un héritage familial. C'est la colère, tu n'en veux plus, tu n'en peux plus, la colère te pourrit la vie et tu n'en peux plus, tu en souffres, tu veux être libre, libre de cette chaîne, libre de ce contrôle. Et le Seigneur est en train effectivement d'exaucer ta prière, il est en train de te rendre libre, de libérer de la colère que tu as héritée, n'est-ce pas? Et tu vas pouvoir avoir le repos, avoir la paix, avoir la joie de vivre. Parce que le Seigneur t'aime, parce que le Seigneur t'appelle au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, merci. En fait, c'est ton âme qui a été beaucoup blessée, beaucoup de blessures. Toutes ces paroles de condamnation, et ça a ouvert des portes à cet esprit qui est venu se loger là, là. Et au travers de cette délivrance, le Seigneur va également transformer ton caractère, changer ton caractère au nom de Yeshua. Père, merci. Ça va, tu es baptisé? Depuis quand? J'étais catholique et je me suis baptisée ici après la réunion de réveil. J'avais témoigné, j'étais dans le lesbianisme, j'ai témoigné, vous avez prié pour moi. Et après ça, le Seigneur m'a dit, tu vas retourner à Abidjan pour aller annoncer la parole à tes parents. Je suis partie, je l'ai fait. Après, depuis que je suis revenue, je suis attaquée, je ne comprends pas. Dans la classe où je suis, il y a des filles, elles se disent, elles ont un peu des tendances lesbiennes et à chaque fois elles s'approchent de moi. Pourtant, je n'ai pas parlé de ça à quelqu'un. À chaque fois, je me dis, mais Seigneur, c'est pas encore fini, tu m'attends, je ne sais pas, je ne comprends pas. Wow. Jesus. Seigneur, merci. Amen, viens. Viens. Dieu t'aime, viens. Oh Seigneur. La puissance de Dieu est là pour te libérer totalement de cette chose. Totalement. Au nom de Yeshua. Toi la reine qui est là, toi la reine qui est là, toi la reine. Tu ne peux pas contrôler sa vie, tu ne peux plus contrôler sa vie. Au nom de Yeshua, je te donne un ordre. Elle ne veut plus de toi, tu m'entends? Elle ne veut plus de toi. Les sœurs, vous allez partir avec à côté, prier pour elle là-bas.
Vous allez parler aussi avec Nana, tu pourras aussi gérer ce cas-là avec les sœurs et parler avec l'homme avec qui elle vit pour rapidement mettre de l'ordre. C'est une reine qui est là. Il faudrait parler avec elle par rapport à ce qu'elle a vécu aussi. C'est une reine qui veut la tuer à tout prix là. Voilà. Tu vas la lâcher aujourd'hui au nom de Yeshua. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Donc toi, tu veux quitter cette vie définitivement, quoi. Tu as tout abandonné, mais ces filles viennent quand même te tenter. Est-ce que tu te sens attaqué ou dans ton corps par rapport à ça? Ou ça va? Dans des rêves, ouais. Tu veux avoir une vie normale, avoir un homme, te marier, et puis c'est ça, hein? C'est bon, ça va aller. Qu'est-ce qui se passe? L'héritage, la colère. Wow. Laurent, ce jeune homme qui parle, hein, c'est l'ami de la jeune femme. Il faudrait parler bien comme ça avec lui aussi. Là. C'est très sérieux ce qu'elle a. Là. Il faut que vous mettez de l'ordre rapidement. Seigneur, merci. Père, merci. Au nom de Yeshua. C'est fini. Oh Dieu d'Israël. Il y a un esprit qui vient embêter quelqu'un, souvent la nuit, qui vient t'agresser. Tes nuits sont toujours angoissées. Tu souffres beaucoup. Le Seigneur veut te rendre libre. Il veut te donner la liberté, la paix. Tu as besoin du repos, tu as besoin de la paix. Oh Seigneur, merci. Père, merci pour ta fidélité au nom de Yeshua. Ça va aller? Merci Seigneur. Ça va aller. Dieu t'aime. Oh Jesus. Ça. Jesus. Ça va? Dieu est bon? Qui a crié? Oh, c'est la première fois que tu viens? Ça sort, cette chose s'en va. Il s'en va. Il s'en va définitivement de ta vie. Sors, au nom de Jésus-Christ. Allez, quitte cette jeune fille. Quitte-la. Sors. Voilà. Tu sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors. Elle ne veut plus de toi. Sors de là. Fini. Fini. Amène-la. Oh, Jesus. Fini ton règne. Qu'il a invité. Oh. Elle est baptisée? Pas encore. Le Seigneur te délivre. Quitte sa vie et ne viens plus l'embêter, démon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fini. Sors. Oh Jesus. Oh Jesus. Ah, c'est un Dorlis là qui parle.
Oh. Lève-toi. Lève-toi. Oh. Je dois laisser ici. Jesus. Comment tu te sens? Tu as peur de moi? Non. Tu as chaud? Oui. Tu as chaud ici? Et tu ne sais pas pourquoi? Ah ben c'est la présence de Dieu. Il y a quelque chose là que Dieu est en train de consumer. Dieu. Ah, tu aimes Dieu? Oui. Oh, tu es baptisé? Pas encore. Je suis catholique. Tu étais catholique? Oh. Ok. Eh ben le Seigneur est en train de consumer tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Tu vois, non? Tu vois, non? T'inquiète pas, ça va aller. Tu n'as jamais vu ça? C'est la première fois que ça t'arrive? Sur YouTube. Sur YouTube. Et tu ne pensais pas que ça pouvait t'arriver? Donc là tu te rends compte qu'en fait c'est vraiment la vérité. Oui. Que c'est la réalité quoi. Oh. Ça va mieux? Oui. Ça va mieux? Oui. Lève-toi alors. Waouh. Comment tu t'appelles? Marina. Marina. Oh Marina. Dieu t'aime beaucoup. Oh oui, tu vas être une mère de beaucoup d'enfants. Tu vas beaucoup, beaucoup aider les enfants, nourrir les enfants. Tu seras entouré d'enfants et tu vas les cajoler, les encourager. Et tu seras une grande sœur de beaucoup de jeunes filles. Et tu vas apporter la lumière du Seigneur dans toute ta famille. Parce que tu pleures beaucoup pour ta famille. Hein? Oui. Oh. Dieu l'aime. Tu as fini tes études? Non. Pas encore? Non. Parce que je te vois, tu vas avoir ce diplôme là, tu auras des diplômes. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire. Oh, c'est magnifique. Et après ton diplôme là, tu seras vraiment, Dieu va vraiment te visiter dans ta vie, tout ça. Et comme je te dis là, avec l'homme de ta vie que Dieu te donnera, tu vas servir le Seigneur partout là, annoncer l'évangile et t'occuper aussi des veuves, des orphelins, des pauvres surtout là. D'accord? Il faut demeurer dans la sanctification et Dieu va te faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Waouh! Ceux et celles qui veulent le baptême, comme Marina, venez me voir. Oh, Dieu, merci. Alléluia. Merci, Père. Oh, God. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. C'est beau. Dieu est bon. Oh, ah bah, alléluia. Dieu est bon. Alléluia, viens mon grand ici. Alléluia. Dieu. Il est bon. Regardez l'œuvre de Dieu. La jeune fille là, toi, à côté de celle qui a des lunettes. Tu sais que Dieu a mis sa main sur ta vie. Le Seigneur est en train d'essuyer tes larmes. Dieu veut restaurer ta vie. Dieu veut restaurer ta famille. Dieu veut restaurer ta famille. L'ennemi est venu mettre le trouble. Il est venu mettre la zizanie. Et Dieu t'appelle parce qu'il veut se servir de toi
Oh Dieu t'aime, t'aime jeune fille. Viens, 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 viens au nom de Yeshua. Dieu t'aime. Regardez l'œuvre que Dieu fait. Dieu est bon. Dieu est bon. Le temps de cette souffrance est fini. Le temps de ce désert est fini pour toi. Te dit le Seigneur, ma fille, je te guéris, je te sauve. Je te guéris, il y a une délivrance que Dieu t'accorde aujourd'hui au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Un miracle que Dieu fait dans ta vie. Un miracle. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur purifie ton sang. Le Seigneur te restaure. C'est lui qui t'a attiré ici. Il y a tellement de souffrances. Des choses qui t'arrivent, tu ne comprends pas. Pourquoi toi, tu dis pourquoi moi? Et tellement de blessures, de déceptions. Et le Seigneur te restaure aujourd'hui. C'est lui qui t'a attiré ici. Il te dit en sortant d'ici, change ton histoire afin que tu témoignes partout de sa gloire, de sa puissance. Oui, Dieu te connaît. Oui, Dieu te voit. Oui, Dieu voit ta galère. Dieu voit ta souffrance. Au nom de Yeshua. Oh, Dieu l'aime. Oh, Dieu. Regardez ces jeunes gens. Alléluia. Ça va toi? Enfant? Oh, Dieu vous aime. C'est beau. C'est beau. Waouh, waouh. Ça va? La famille. Oh, comment? Tu es brisé. La famille a failli être brisée. Oui. Et là, Dieu vous restaure. De combat. D'accord. Mon père a touché ma fille physiquement. Oh. Ma famille a coupé avec moi à cause de ça. On est venu de loin, mais on est venu parce qu'on sait que Jésus est vivant. Et il est là, amen, en ce lieu. Amen. Il n'y a pas, cherchez pas autre part. Il est là. Amen. Il est temps que l'église se réveille parce qu'il est là. Amen. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. J'étais hémiplégique. J'ai voulu me suicider 3 fois, mais Jésus est venu dans ma chambre. Wow. Et j'ai dit, Jésus, si tu m'aimes, je veux venir ici. Wow. Il ne m'a pas guéri, mais ce n'est pas ça qui compte. C'est d'avoir un cœur pour lui. Alléluia. Wow. Oh, que Dieu soit béni. Quelle famille. Comment tu t'appelles? Abigail. Oh, Abigail. Donnez-moi la dernière version de la BGC là. Donnez-moi 2 versions, deux exemplaires. Waouh. Tu sais que tu vas beaucoup chanter pour Jésus. Tu vas voyager dans le monde entier pour chanter pour Jésus. C'est pour cela que Satan a voulu te détruire parce qu'il a vu ton étoile. Mais Dieu t'aime beaucoup, Abigail. Tu vas voyager partout aux États-Unis. Tu vas parler plusieurs langues. Tu vas parler l'anglais, l'espagnol, tout ça. Et tu vas chanter, prêcher la parole de Dieu. Et Dieu va beaucoup te montrer le ciel. Tu vas beaucoup voir les anges au ciel. Et tu vas faire du bien à beaucoup d'enfants. Tu vas voyager dans les pays pauvres pour aller aider les enfants comme un médecin. Je te vois comme un médecin en train de soigner des enfants. Oh Seigneur, bénis cet enfant, papa. Bénis cet enfant. Bénis-la, Seigneur. Jojo est où? Jonathan et Timothée, venez. Alléluia. Lui, ça va être un évangéliste. Pareil, je le vois prier pour les handicapés, prier pour les aveugles. Et je vois des miracles qui vont l'accompagner, cet enfant-là. Et c'est le Seigneur vraiment qui vous a mis ensemble. Et c'est lui qui permet vos combats, ce qu'il me dit. Parce que au travers de vous, beaucoup de couples seront restaurés. Le Seigneur a mis cet appel sur vous pour la restauration de la famille. J'étais pasteur en Guyane. J'avais ouvert une église parmi les Amérindiens à Irakoubo, Sinamari. J'ai tout laissé, tout ça, parce que j'ai vu que ma famille et moi, ma femme ne me suivait pas dans l'œuvre. Et j'ai vu que concrètement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Jésus t'aime, ma sœur. Il t'aime et il aime la Guyane. Il aime la Guyane.
Il va faire une œuvre en Guyane. Oh, je bénis Dieu aujourd'hui. Je bénis Dieu, vraiment. Je bénis Dieu d'être là. Parce qu'il m'a sorti de tout ça. Il faut qu'on ouvre les yeux, qu'on sorte de tout ça. L'évangile, ce n'est pas une religion. C'est une relation avec Dieu. Il veut sauver la France et il va souffler. Tout à l'heure, j'étais là et le vent me montrait. Il y a un vent qui arrive. Préparez-vous. Hein. Il y a beaucoup de frères et sœurs, ils ne croient pas, mais le vent va souffler. Ça va souffler sur la France. Des choses vont être détruites au nom de Yeshua. La dernière version, je sais. Ça, c'est pour Abigail. Alléluia. Voilà. Alors, Jojo est où là? Venez prier avec papa là. Priez pour cette famille là, au nom de Yeshua. C'est que vous êtes occupé là-bas là. Alléluia. On va prier pour eux. Seigneur, bénis cette famille. Que ta main soit sur chacun. Utilise mon frère, ma soeur et ses enfants pour ta gloire. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à toi, mon Seigneur. Alléluia. Amen. Suivez Jonathan pour le baptême. Tu vois, quand on va les baptiser là-bas, Anne. Nana qui est là-bas va faire le baptême avec vous, Anne, tout ça pour les femmes. Et on peut acclamer le Seigneur pour leur vie. Alléluia. On va se voir à la fin. Hein? Je vous revois. Yeshua, lâche-la. Voilà. Toi qui veux la détruire là. Lâche-la. Tu as assez souffert. Et aujourd'hui, le Seigneur t'attire à lui. Aujourd'hui, le Seigneur te guérit, te libère. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Waouh. C'est beau. Le frère veut, il y a un témoignage, donc ça, tu viens d'où? De l'Allemagne. Okay. En fait, je ne sais pas si c'est... Il se trouve que dans ma recherche du Seigneur, bon, il m'arrive parfois de prier. Il m'est arrivé par trois fois de me retrouver au sol pendant que je priais. Mm-hmm. Et vendredi dernier, quand je suivais une vidéo en Belgique, le 10 janvier, mm-hmm. je regardais la vidéo et puis je me suis retrouvé au sol, en train de trembler et puis au sol. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Si c'est un démon, bien c'est quoi, je ne sais pas. Oh, tu es baptisé, pas encore? Pas encore, je prends mon baptême aujourd'hui. Au nom de Yeshua. Alors, il y a des guérisons que Dieu opère, c'est quoi ça? De parler. Ma mère est condamnée par la médecine. D'accord. Elle a une ischémie. Mm-hmm. Donc vous pouvez voir les photos, c'est terrible. C'est aussi terrible que le cancer ou l'artère. Waouh. Nécrose. Oh Seigneur. Elle est à quel hôpital? Elle est dans le 16e à partir d'aujourd'hui. Ne bouge pas, la fin vient nous voir, on va s'organiser. Voilà. D'accord. Oh Seigneur, oh, les gens souffrent. Ne bouge pas, à la fin, viens nous voir. Ah, il faut que tu ailles à l'hôpital. Donne les coordonnées au frère, à Moba. Oh Seigneur, c'est horrible. Hein? Ma soeur, là, derrière toi, tu es baptisé? Non? Tu n'es pas encore baptisé? C'est la première fois que tu viennes? Dieu t'appelle. Tu le sais? Ah, alléluia. C'est ton appel. Tu es venu avec qui? Venez toutes les deux. Seigneur, merci. Je veux prier pour vous. Oh, Saint-Esprit, merci. Il y a un jeune homme là aussi que Dieu appelle. Viens. Toi, ouais. Viens. Venez. Venez. Qu'est-ce qui se passe ici?
atteint d'une grave maladie, un cancer. Ouais. Et puis voilà, j'essaye un peu tout pour voir s'il peut aller le mieux et puis pouvoir changer un peu ce qu'il y a dans ma tête, tout ça. Ouais. D'accord. Vous pensez que le Seigneur Jésus-Christ peut guérir cet homme? Tu le crois, frères et sœurs? Oui, nous croyons que le Seigneur peut le guérir. Est-ce qu'on peut me donner une chaise là? Ah, c'est bon. Ah, il est parti au baptême. Ah, Dieu l'a attrapé. Hein? Asseyez-vous là. Il y a beaucoup de souffrance. Hein? Ouais. Des jours ça va, des jours ça va pas. Est-ce que vous voulez bien qu'on prie pour cet homme? Prions pour lui, s'il vous plaît. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh Jesus. Que la maladie quitte ce corps maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, tu sors de là. Allez, tu sors de ce corps maintenant. Tu vas quitter cet homme. Tu vas quitter ce corps maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors de là. Oh Jesus. Oh Jesus. Tu vas quitter ce corps maintenant. Tu vas quitter ce corps là. Oh Jesus. Merci Saint-Esprit. Il y a l'huile d'olive ici, là, l'huile d'onction. Hein? Merci Seigneur. C'est votre mari? Ok. Ah. C'est vous qui les avez invités? D'accord. Ce sont les parents? Ok. C'est ce que j'ai compris, ouais. Il y a plusieurs personnes, comme vous le savez, que le Seigneur guérit. Hein, des gens qui avaient de cancer, toutes sortes de cancers, que le Seigneur, notre Dieu, guérit avec des preuves médicales de ces guérisons. Et Alain, c'est possible que tu pries pour cet homme avec l'onction d'huile, s'il te plaît? Paul, tu peux venir avec Alain prier pour lui avec l'onction d'huile? Merci, mon frère. Et nous croyons que Dieu peut restaurer toutes les cellules, n'est-ce pas, qui sont détruites par ce cancer au nom de... Oh oui, Jésus est tout puissant. Oui, on le croit. On le croit. Moi, je le crois. Et c'est gratuit. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Comment vous nous avez connus? Sur YouTube. Sur YouTube. Et c'est la première fois que vous venez? Oui, c'est la première fois. Waouh, vous nous avez découvert il y a combien de temps? Je dirais il y a un mois. Il y a un mois. Vous n'étiez pas choqué par... Non, pas du tout. Non. Waouh. Dieu me pousse à vous poser cette question. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour vous? Je ne sais pas, qu'il fasse tout. Waouh. Oh, Dieu est magnifique. C'est bon, on a pu trouver lui, l'onction? Qui t'a invité? Ton pote? Il est où? Le pote en question. Ah ben tiens, viens, ça fait longtemps mon grand. Ah, ça fait plaisir de te revoir. Seigneur, bénis mes sœurs au nom de Yeshua. Père, au nom de Yeshua, merci Seigneur de les visiter, Seigneur mon Dieu, de les restaurer pour la gloire de ton nom, Seigneur notre Dieu. Il y a des questions que tu te poses, des questions parfois qui restent sans réponse, des choses que tu attends dans ta vie, beaucoup de choses, tout ça que tu espères. Et le Seigneur est celui effectivement qui t'a lancé cette invitation parce qu'il veut commencer, il a commencé une œuvre dans ta vie. Et tu as vu à quel point tu as vu la méchanceté de l'homme, comment l'homme peut être méchant. Tu as vu la méchanceté des hommes, des personnes à qui tu as pu te confier. Et le Seigneur est celui qui a commencé cette œuvre et qu'il veut, n'est-ce pas, terminer. Et il va terminer cette œuvre. Ça ne va pas être évident, ça ne va pas être facile. Ta vie n'a pas été toujours facile. Et le Seigneur est comme un père qui est en train de réparer ton cœur, de restaurer tout ce qui a réparé, à restaurer au nom de Yeshua. Et il va enlever le doute, il va enlever la peur, il va enlever toutes sortes de doutes, tout ça, pour que tu rentres davantage dans la foi,
pour expérimenter véritablement sa gloire. Et au niveau de ta famille également, même la famille élargie, des personnes qui ont pu combattre ta vie, des personnes qui ont pu parler, des personnes qui ont pu te jacasser tout ça là. Et le Seigneur veut vraiment les confondre, parce qu'il me dit de te dire qu'il te donne le psaume 23, il dresse une table devant toi, en face de tes adversaires, et il veut oindre d'huile ta tête, afin que ta coupe déborde au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, Dieu d'Israël. Seigneur, merci pour ta présence dans leur vie. Seigneur, bénis mes soeurs. Au nom de Yeshua. Alléluia. C'est bon. Gloire à Dieu. Bon courage. Vous avez reçu une Bible? Non. Tenez. Ouais. Bon courage. C'est bon? T'en as déjà? Ok. Oh Seigneur, merci pour cet homme. Oh Dieu, le travail, hein? Ah, je vous dis, Dieu travaille. Je vous dis, Dieu travaille là. Je ressens ce que Dieu, oh oui, ce que Dieu fait là dans sa vie. Dieu veut faire de toi une flèche, comme une flèche pour toucher beaucoup de jeunes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes. Et tu vas beaucoup, beaucoup, beaucoup voyager. Beaucoup voyager dans les pays pauvres. Je te vois faire beaucoup de voyages, découvrir des cultures, des peuples, tout ça. Tu vas être comme un pont pour rassembler, pour... vraiment aider, pour éclairer. Et tu es quelqu'un qui a un cœur sensible, un cœur qui aime aider. Tu veux aider, tu veux aider les gens, tu veux soutenir les gens, tu veux aider les gens matériellement, financièrement et tout ça. Et tu as tellement de questions aussi. Et le Seigneur, comme un père, veut répondre à chacune d'elles. Il y a tellement de souffrances dans ton cœur. Le Seigneur veut enlever toutes ces souffrances-là et te parler. Et il va te parler avec précision. Et tu vas de plus en plus aimer la parole du Seigneur, de plus en plus lire la parole de Dieu, la Bible. Et le Seigneur va vraiment lui essuyer tes larmes. Et la puissance de Dieu va te remplir avec une telle force, avec une telle joie, que beaucoup de gens ne vont pas te reconnaître. Même des gens de ta famille ne vont plus te reconnaître, tellement que tu seras passionné de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et tu seras comme un leader de beaucoup de jeunes, comme un dirigeant de beaucoup de jeunes. Tout ça, et le Seigneur dit, prépare-toi, parce qu'il va vraiment te rencontrer dans les prochains jours, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Dieu de gloire. Merci Saint-Esprit. Quelqu'un, Dieu est en train de le guérir. Tu vas te faire opérer au niveau du genou droit. La personne est où là? Le genou droit là. Le Seigneur veut t'éviter cette opération au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Dieu de gloire. Alléluia, magnifique Seigneur. Oh Dieu de gloire. Le genou droit là, au nom de Yeshua, que le Seigneur veut guérir, c'est toi. On en court ici. Il y a une guérison pour toi. Parce que suite à cette opération là, l'ennemi veut la rendre handicapée. Est-ce que vous voulez qu'elle soit handicapée? Vous voulez que le Seigneur la guérisse, n'est-ce pas? Alléluia, Dieu de gloire. Alléluia, Dieu guérit. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis fatiguée, j'en peux plus. J'ai fait une belle fille, elle travaille bien à l'école, elle peut plus aller à l'école, elle se met devant l'école, elle tremble, j'ai peur maman, je peux plus réussir. Quel âge as-tu? Elle a 20 ans, j'en peux plus. Tu veux être libérée? Est-ce que tu veux que Jésus-Christ te libère? Ça fait deux jours qu'elle ne parle pas. Elle parle plus. Ça fait deux jours qu'elle ne parle pas. Ça fait une semaine qu'elle ne parle plus. Ça fait deux semaines. Elle a perdu l'usage de la parole. Elle ne parle plus. À peine elle parle. Elle ne peut plus marcher. Oh, vous pensez que Dieu peut la guérir là? Qui croit que Dieu peut la guérir, frère et soeur? Vous le croyez là, vraiment, d'être sûr là? Est-ce que moi je peux quelque chose ici? Qui peut le guérir, la guérir? Je sens que vous êtes fatigué. Oh, Jesus. Qui croit que Dieu peut la guérir? Alors chassez ce démon là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jesus. Sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors d'elle. Sors d'elle. Jésus-Christ de Nazareth. Sa maman dit elle est fatiguée. Le genou. Tout le monde est fatigué à la maison. Papa est où? Il est là-bas? Dans l'autre salle? Dans l'autre salle. C'est la première fois que vous venez ici? Vous habitez où? J'habite à Chelles. On baisse un peu le piano. Voilà.
Où c'est? J'habite à Chelle, mais son père et moi, on est séparés depuis longtemps. Depuis l'âge de 1 an. Voilà. Le genou, là. Vous pensez que Dieu peut guérir son genou, là? Elle va parler, là. Elle va parler. Moi, je crois qu'elle va parler. Là. Moi, je crois qu'elle parle déjà, là. Oh, alléluia. Je crois même qu'elle va finir ses études et elle va servir Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus. Donne-moi une chaise, là. Ton genou, là, là, là. Jesus. Tu crois que le Seigneur peut te guérir? Amen. T'es sûr? Oh, elle est sûre. Fini. Jesus. Bouge tes jambes, là. Fais comme moi, là. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, tu es baptisé? Oui. Par immersion? Oui. Dans l'eau, hein? Fini. Les genoux, là. C'est bon. Ça va aller. Amen. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh non, moi je ne veux pas être vu, je ne veux pas qu'on me voit, je ne veux pas qu'on me voit, ça c'est ce que quelqu'un dit ici là. Je veux pas qu'on... Eh ben, le Seigneur t'appelle, hein. Le Seigneur t'appelle, tu veux quoi? C'est toi le papa? Hein? Les sorciers quoi? Hein? Sorciers? Non, tension, c'est pendant 7 ans, les eaux pour opération, je ne vois... Cette... Tu ne vois pas? Oui, c'est tout. Oh! Les tensions pendant 7 ans. On t'a opéré... Il me dit qu'il va m'opérer, les tensions. Regarde-moi, tu vois quelque chose là? Non. Je vois image. You speak English? Non. Portugais. Fala português? Oui, fala. Oh, mora onde? Mor Sanoa. Jesus. Oh, Jesus. Wow. Jesus. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai quelque chose qui bouge de pied. Dans ton ventre? Ok. Qu'est-ce que tu veux? C'est ma fille. Ah, c'est ta fille? Ok. C'est toi qui as voulu me voir tout à l'heure. Ok. Donc, tu peux rester là. Ok. Oh. C'est bon? Jesus. Jesus Christ. Vous êtes fatigué? Faut intercéder pour on combat la prière là. Alléluia, gloire à Dieu. L'onction travaille encore dans ce corps là. Toutes les cellules cancéreuses, tout ça, ça se consume au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Je vous dis au nom de Jésus de Nazareth. Ah oui. Alléluia au nom de Jésus Christ. Gloire à Dieu. On n'est pas des spectateurs, on est là pour participer, pour prier, pour alléluia, intercéder avec nous là au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Quelqu'un, y a-t-il quelqu'un qui veut abandonner la sorcellerie ici? Si tu es là, tu lèves ta main. Si tu veux abandonner la sorcellerie, lève simplement ta main. Le Seigneur va te sauver de là, te sortir de là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur me montre quelqu'un qui veut abandonner la sorcellerie ici. Hein? Y a pas de honte à avoir. Le Seigneur t'aime, le Seigneur t'appelle, le Seigneur veut te racheter, il veut te sauver. Il veut te sortir de là et c'est possible de quitter le diable et de suivre Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Tu es baptisé? Touche ton ventre là, touche ton ventre. Sors. Au nom de Jésus. Sors. 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 Sors, je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de là. Sors, 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 sors. Fini, sors de là. Voilà. Sors. Au nom de Yeshua, quitte. Marie. Marie de nuit là. Là, c'est Dorlis. Là, là, là. Sors d'elle. Quitte là, tu es obligé. Allez, sors. Si tu es obligé. Voilà, tu pries au niveau de son ventre. Hein? Voilà. Jesus Christ. C'est lui qui t'appelle sa maman là, qui te. Il est né comme ça? Non, il n'est pas né comme ça. Il est né normal. Donne-moi ta main.
Il parlait. Il parlait à un certain moment, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, hop, tout est parti. Donc jusqu'à maintenant, et surtout la nuit, il fait des troubles de comportement, il s'agite. Donc c'est comme si on agressait la nuque. Wow. Il se mord, il agresse tout le monde, il casse la maison. Donc il a une force terrible. Donc, et surtout, donc, dès qu'on dit, c'est-à-dire parfois quand je prie avec ma femme, je lui dis au nom de Jésus. Dès qu'il entend Jésus, il court. Viens. Viens, démon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens. Ici. Arrête-toi. Au nom de Jésus-Christ. Arrête-toi, la démon. Voilà. À genoux. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Ulrich, priez pour lui. Prions pour lui. Continue à prier pour lui. Venez prier pour lui. Tous les trois. Prenez-les, priez pour lui. C'est un démon de violence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta main. Elle donne ta main. Voilà. Ta main. Voilà. Donne ta main. Donne-moi ta main. Voilà. Donne ta main doucement, jeune homme. Voilà. Donne ta main. Donne ta main. Un beau jeune homme comme ça, là, Satan veut le détruire. Vous vous rendez compte? C'est possible qu'il soit guéri? C'est possible qu'il soit restauré? Priez pour lui, mes frères. Priez pour lui. Attrapez-le comme ça, on va prier pour lui. On va le ceinturer, on va prier pour lui. Ça va aller. Au nom de Yeshua. Les parents souffrent avec de telles maladies là. Jesus, Wes. Jesus. Chassez ce démon là de violence. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Yeshua. Allez, tu sors. Sors. Allez, tu sors au nom de Jésus de Nazareth. Ça va aller. On va continuer à prier pour lui. Ça va aller. C'est bon? Viens. Fais ça. Allez, au nom de Jésus-Christ. Par la foi, au nom de Jésus-Christ. Bien, c'est bien, c'est bien. Tu peux encore faire plus fort. Plus fort, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, je sers, est plus grand que cette maladie, la jeune fille. Il est en train de te guérir, au nom de Yeshua. Allez, plus fort. Allez, on y va, au nom de Jésus. Voilà, c'est bien, tu vois que tu arrives. Au nom de Jésus de Nazareth, tu vois que tu arrives. Allez, suis-moi bien comme il faut. Allez, suis-moi, on y va. Allez, tu me suis? Tu me suis correctement au nom de Jésus de Nazareth? Tu peux marcher normalement. Allez, tu me suis? Tu me suis? Allez, on y va, on y va, on y va. On y va, tu fais un effort là par la foi au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, donne-moi ta main. Jesus Christ. L'autre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hein? Dis Jésus. Jésus. Dis Amen. Amen. Regarde-moi. Voilà. Dieu t'aime. Hein? Amen. Dis Amen. 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 Jésus, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Touche-nous,
Jésus est Seigneur. Regardez-moi. Tu vois que le Seigneur, parce qu'elle a dit papa tout à l'heure, tu vois que c'est possible. C'est la peur que Satan veut te mettre là pour que tu sois enfermé, tout ça là, alors que tu n'es pas folle. C'est Satan qui veut te faire peur comme ça là. Tu vois? Dis papa. 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 Tu l'as dit tout à l'heure, tu peux le dire, papa. Papa. Voilà, je tiens ta gorge là. Avec l'onction du Saint-Esprit, le Seigneur t'aide. Et tu vas parler plus fort. Et puis tu verras que tu vas repartir d'ici comme tu étais avant, au nom de Yeshua. Et tu vas faire tes études. Au nom de... Elle voulait faire quoi comme étude? Terminal. Oui, un terminal STMG. Mais voilà. Mais voilà, tu vas finir tout ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas même, n'est-ce pas, partir à mission avec nous de temps à autre. Au nom de Yeshua, le Seigneur et Sauveur. Mais voilà. T'es pas folle. Ça, c'est là-dedans, là. Satan veut te faire, il te fait peur, et puis tu t'enfermes comme ça dans ton cocon, et tu as peur. Fini. Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi dans les yeux. Ben, tu vois que tu peux le faire. Tu vois que t'es pas folle. Tu vois? Où est cette fille là, intelligente, là, tout ça, là? Jésus-Christ est là. Il t'aide, la foi que tu as là, tu la mets en action, et puis c'est fini, c'est réglé. Voilà. Regarde papa, regarde maman. Voilà. Tes parents sont là, ils t'aiment. Tu vois, non? Il t'aime. Alors dis papa qui est là. Papa. Tu aimes ton papa, tu aimes ta maman qui est là, ta maman qui pleure, qui souffre là, tout ça. Tu es baptisé, ma soeur, par immersion ou catholique? Immersion. Et toi, mon frère? Catholique. Vous êtes séparés depuis qu'elle a un an. Tu t'es remarié? Et toi? Tu t'es remarié aussi? Ouais. Mmh. Vous êtes de quel pays là? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Oh. Tout à l'heure, hors micro, elle a dit papa, maman, tout ça. Là, c'est, elle est tellement dans la peur, là, tout ça. Elle s'est dit non, mais c'est, si je parle, tout ça, là, c'est compliqué. Oh, Jesus Christ. Et ça fait combien de temps qu'elle est comme ça là? Maintenant, 3 semaines. 3 semaines. Elle n'était pas du tout comme ça. Il y a un an de cela, elle a eu un épisode de dépression où elle est restée même un an hospitalisée dans le hôpital. Un an hospitalisée? Oui, un an hospitalisée dans un institut qui accueille des jeunes qui ont des problèmes psychiques. Et j'ai lutté pour qu'elle puisse sortir de là-bas. Et il fallait à tout prix qu'elle trouve une école. Donc je lui ai trouvé une formation, une école en alternance où elle travaille et elle va à l'école. Pour maintenant, elle a des bonnes notes. Et depuis mars, là, c'est reparti en cas. C'est-à-dire que là, si elle repart pas à l'école, c'est comme si elle perd toute son année encore. Quoi. Vous êtes fatigué, bien sûr. Viens avec moi un peu. Là. Tu vois, tu vas marcher normalement. Voilà. Allez, on va marcher normalement. Là. Allez. Tu vois? Amen. Tu es rassuré. Hein? Voilà. Ah, doucement. Voilà. Laissez le Seigneur faire son œuvre. Là. Voilà, tu vois, tu marches bien. Comme une fille de Dieu. Hein? Regarde, tu peux marcher. Donc, si tu peux marcher, c'est que tu peux parler. Normalement. Tu vois? Ça te rassure là, ton visage change même là. Tu commences à briller. Tu vois, t'es pas folle là pour être internée, tout ça là chez les fous. Non, toi, t'es pas folle. Le Seigneur te guérit, te restaure. Vous voyez bien qu'elle marche bien. Mais voilà, là, tes mains là, tu laisses tomber tes mains. Laisse tomber tes bras. Voilà. Voilà, tu vas bien marcher. Voilà. Laisse de l'espace là-bas, va faire un tour là-bas là, tout ça là. Va faire un petit tour là-bas là. Voilà. On va faire un tour par ici. Voilà, tu marches bien. Voilà. Jesus Christ. Mais voilà, tu marches bien. Mais voilà, jeune fille. Oh, quand même. Une belle fille comme ça, là, on veut la rendre folle. C'est comment, là? Elle va finir ses études, elle va se marier, elle aura des enfants. Elle va servir le Seigneur. Voilà.
Allez, marche, allez, on y va. Suis-moi. On y va. Suis-moi correctement. Allez, tu marches normalement. Ben voilà. Normalement, tu marches. Allez, on y va. Avec assurance, tu marches. Allez, on y va. Ben alors, c'est quoi ça? On restaure la marche d'abord et puis le reste. Allez, suis-moi correctement. Satan est un menteur. Voilà, tu marches normalement. Comme quand tu marchais là. Normalement, tu marches. Voilà. Ben alors, tape là. Tu peux taper là. Tape là comme correctement là. Tu tapes ici là. Tape. Non, tu peux taper. Tu peux. Tape. Allez, tu peux. Voilà. Tape. Allez, on y va encore. Bah alors, allez. Hop. On y va encore. Allez. Tape encore là, bien comme il faut. On y va encore, bien comme il faut. Allez, on y va encore. Allez, l'autre main, tape bien comme il faut. Allez, on y va. Alléluia, on y va. Alléluia, on y va. Tu tapes encore bien comme il faut. Allez, tu fais comme ça là avec moi. Allez. Allez, tu peux, on y va. Allez, on y va. On y va. Tu peux. Alléluia. Gloire à Dieu. Allez, les deux mains, tu tapes là. Les deux mains avec les deux mains. Tu tapes là, ici, là, on y va, tout ça. Allez, on y va. On entend. On entend. Jésus. On entend. Jésus. On entend. Jésus. Allez, tu fais comme ça avec moi. Allez. On y va. Ben voilà. Tu vois que t'es pas folle. Ça marche. Et c'est simple. Et c'est gratuit. Tu vois? Ben voilà. Allez, on va courir un peu là. Allez, on y va. Je cours, cours après moi. Allez. On va courir, on va le voir. Son visage change. Voilà. Bon. Ça, on a fait un peu de footing là avec Jésus. Un peu de souffler quand même parce que c'est. Alléluia. Tu vois, en fait, c'est la peur. C'est tout. Regarde, une belle fille comme toi, intelligente, pour aller pour finir tes études, avoir ton diplôme. Et de temps à autre, aller en Côte d'Ivoire là, aider les gens, aider les pauvres. Si tu te laisses faire, eh bien, Satan va prendre le dessus. Il ne faut pas. Tu as bien marché. Tu bouges tes bras, tout ça, pas de problème. Tu es passé là-dedans. Là. Satan veut te faire croire des choses. Et si tu crois ça, eh bien, tu te laisses faire et tu vas devenir comme un légume. Et c'est ce que Satan veut. Elle est baptisée par immersion. Ah ben alors. Voilà, maintenant tu me regardes normalement. Tu vois, c'est ton visage même change. Vous voyez, non? Vous la rebaptiser. Hein. Papa veut qu'elle soit rebaptisée tout de suite. Là, on y va. Tu vois, son visage change. Son regard maintenant n'est plus fuyant. Mais voilà. Satan est un menteur, ma soeur. C'est un menteur. Il t'a menti et tu as cru à son mensonge. Intelligente comme tu es là, tu vas avoir ton bac. Je te dis. Et tu vas avoir ton bac et coquine comme tu étais là. Coquine bien comme il faut. Et avoir ton diplôme. Et je viendrai prêcher à ton mariage. Voilà. Au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Tu vois, tu retrouves le sourire. Tu vois, c'est bien tout ça là. Mais voilà. Quand même. Mentir à une jeune fille comme ça, Satan est méchant. Méchant. Maintenant, tu vois, tu as pu marcher. Maintenant, parler, la parole est juste là. Eh bien, tu la libères seulement. Là. Et c'est fini. C'est fini. Tu as reçu une Bible? Tu veux une Bible, hein? Je te donne une Bible. Je te l'offre. Ben voilà.
Elle en a reçu une là? Ah ben donne-moi une mime là. Tout est gratuit. Regarde, tu peux la prendre et tu vas la lire tranquillement chez toi à la maison. Tiens là. Elle est à toi. Tu la prends. Ah, tu peux. Tes mains là, elles sont toujours en activité, elles sont toujours mobiles. Hein? Pas de problème, tiens. C'est à toi. Ah oui. Tiens. Ben ouais, voilà. Tiens-la bien comme il faut. C'est à toi. Ben voilà. Tu peux tenir normalement. Tiens correctement. C'est ta Bible. Tu mets ça sous les aisselles. Voilà. Tranquillement, tiens. Voilà. Tu vois, il te faisait croire que tu ne peux pas tenir. Voilà, la preuve. Il fera. Jésus, au nom de Jésus, au nom de Yeshua, il fera. Au nom de Jésus, en robe de mariée, Dieu te bénit dans ce domaine au nom de Yeshua. Oh, il fera. Jésus, il fera. Jésus, il fera. Il fera. Jésus. Levez les mains. Ceux qui ont reçu une guérison là, levez les mains. Pendant la prière, Dieu a guéri. Au nom de Yeshua. Ceux qui ont reçu la guérison, merci. Dieu t'a guéri. Tu veux parler. Qui a été guéri par le Seigneur? Il t'a guéri de quoi là? Tu as eu mal où? J'ai eu un problème il y a 4 mois. J'ai manqué de 47 dialysés. Et mon rein fonctionnait qu'à 28. Et il était sec. Et quand c'est là, je dois passer un examen le 29 avril. Mais je sais que Dieu m'a guéri. Ah ben gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Oh alléluia, gloire à Dieu. Qui a été guéri ici par le Seigneur là au nom de Yeshua? Là, tu étais guéri ce soir là? Tu avais mal où? Hein? Qui? Ça a disparu? T'es sûr? T'as fait des examens? T'as des preuves? Y a plus rien? Oh. Ça, y a pas eu une opération? Ben, gloire à Dieu, merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Les jeunes, les tu as été guéri ce soir? Oh, viens, c'est le genou? T'as plus de douleur? Tu veux témoigner? Ben viens. Oh, c'est magnifique ce que Dieu fait là. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a une jeune fille ici qui a des règles, hein, qui a des règles même hors période. Tout ça, le Seigneur t'a guéri également. Là, c'est fini. Tu n'auras plus ce problème là au nom de Yeshua. Oh, gloire à Dieu. Qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Qui veut se convertir à Christ? Qui? Toi? Jeune homme, tu as eu ton baptême là? Tu as eu ton baptême? Ah, ben gloire à Dieu. Tu as quel âge? Viens me voir là. Tu as quel âge? 12 ans. Et tu veux suivre le Seigneur, c'est beau ça. Oh, c'est ton fils? Non? Oh, c'est beau.
Ta maman est là-bas, gloire à Dieu. Alors, tu avais un problème au niveau de ton genou. Et là, tu n'as plus de douleur. Non, je n'ai plus de douleur. En fait, je suis arrivée hier chez des amis. Je vis en Belgique. Et dans le car, j'avais vraiment mal aux jambes. Je me suis dit, bon, ça fait un certain temps que j'ai mal en fait au genou droit. J'ai fait des radios. On m'a dit qu'on ne savait pas me guérir. Et aujourd'hui, la douleur s'est intensifiée. Même au niveau de la jambe, j'avais vraiment l'impression qu'on me pressait les jambes, quoi. Et donc, quand vous avez parlé de ça, moi, je priais par rapport à ma guérison. Et quand vous avez parlé du genou droit, je dis, ça, c'est pour moi, je saisis. Et depuis, j'ai plus mal. Voilà. Waouh, gloire à Dieu. Waouh. Magnifique, Seigneur. C'est beau. Oui, t'avais mal, là? Oh, Anne, viens voir, là. Viens. Allez, viens avec ta béquille. Ta béquille est où, là? T'en as plus besoin, là. T'es venu avec la béquille, tu repars sans la béquille. Qu'est-ce qui se passe? Ben en fait, j'avais comme si mon genou se contractait et derrière, et là, ben, plus rien. T'as plus rien? Tu peux? Tu t'es sûr? Oui. Ah ben gloire à Dieu, ben, la béquille, ben, tu la laisses là-bas, gloire à Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Waouh, c'est beau, hein? C'est magnifique. Oui, il veut donner sa vie à Jésus-Christ. Oh mon grand, viens me voir mon grand. Oh c'est magnifique ça. Oh c'est beau. Oh c'est beau ça. Oh, tape là. Waouh, c'est beau ça. Alors, c'est la première fois que tu viens ici? Non. C'est pas la première fois. Qui t'a invité quand même là, pour la première fois? Oui. Là-bas, là. Oh, c'est le pote. On est bien ensemble. Vous êtes bien ensemble. Waouh. C'est beau ça, vraiment là. Waouh. Est-ce que tu es choqué par rapport à... choqué de voir tout ça, tout ce que Dieu fait, les guérisons, les délivrances? Non, hein? Non. Waouh. Tu fais du sport? Oui. Tu fais quoi? De la boxe. La boxe? Waouh. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, donc on va être protégé là. Alléluia. C'est beau. Waouh. Et tu veux suivre Jésus-Christ? Oui. Waouh. Waouh, c'est beau ça. Hein? Il va pouvoir combattre le diable avec l'onction, bien sûr. Alléluia, gloire à Dieu. Magnifique Seigneur. Qui d'autre veut donner sa vie à Jésus-Christ? Ah ben viens ma grande. Ça va aller, vous inquiétez pas, là, le Seigneur travaille là. Ça va aller, ça va aller. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ? C'est la première fois que tu viens? C'est pas la première fois. Waouh. Qui d'autre? Qui d'autre veut quitter le péché et suivre Dieu vraiment là? C'est... Toi mon grand? Ah ben viens. Toi aussi? Ah ben alléluia. Gloire à Dieu. Venez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de sportifs, hein, que Dieu touche, hein. Ça va? T'as peur? Oh, je vois que tu... D'accord. Toi, tu fais quoi comme sport, mon grand? Alors moi, je cours, je fais tout presque. Tu veux tout? Et maintenant, tu veux suivre le Seigneur Jésus-Christ? Bah, ouais. C'est la première fois que tu viens ici? C'est pour rien. Qui t'a invité? Une amie, juste là-bas. Waouh! Elle est où? Ah, magnifique. On s'est déjà vu ici, hein? Gloire à Dieu, que tu sois béni. Et elle aussi, magnifique. On s'est déjà vu, non? C'était où? Rappelle-moi un peu, là. C'était ici. Qui d'autre se dit, qui se dit, moi, je ne repars pas tel que je suis venu, je laisse tout, péché, tout ça là. Il y a quelqu'un ici qui fume, qui veut abandonner la cigarette. C'est qui? C'est qui? C'est qui la cigarette là? C'est qui? Dieu me montre ça. Ah, c'est la cigarette là. Viens. Venons. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, magnifique Seigneur. Alléluia, magnifique Seigneur. Cigarette? Ouais, c'est bon, c'est... Jesus, sors au nom de Yeshua, c'est fini, c'est réglé. C'est réglé ça au nom de Yeshua, sors d'elle au nom de Jésus. Alléluia. Mira, tu peux prier pour la sœur qui veut donner sa vie à Jésus-Christ, s'il te plaît. Ulrich, pour les frères. Mon grand, j'ai prié pour lui. Voilà. Waouh, c'est beau. Ah, c'est réglé pour la cigarette, c'est bon. C'est bon. On va prier pour... on va prier pour elle. Nana, on va prier pour elle, s'il te plaît. Là-bas, il n'y a personne qui veut donner sa vie à Jésus-Christ là-bas, là, qui veut changer de vie, là, ici, là. Non, il n'y a personne. Il y a quelqu'un ici, comme si quelqu'un, Dieu appelle quelqu'un ici, la personne a peur, a honte, tout ça. Et s'il y a du monde, c'est toi, hein? Ah ben viens,
Au nom de Yeshua, on acclame le Seigneur. Ce que Dieu m'a montré là. Gloire à Dieu. Comment? Il veut donner sa vie à Jésus. Tu veux donner ta vie à Jésus? Quel âge as-tu? 4 ans. 4 ans? Ah, viens mon grand. Ah ben tu as l'âge, dès la conception, tu peux donner ta vie à Jésus. Oh, dis Jésus. Jésus. Me voici. Merci. Ah. Voilà un frère, un nouveau frère dans le royaume des yeux. Bisous, un petit bisou quand même, un petit bisou, bisou, bisou. Ah ben voilà, voilà mon grand. Ah ben c'est bon, bienvenue dans notre royaume. Hein? Nous avons un grand roi qui s'appelle Jésus-Christ. Et maintenant toi aussi tu es un roi. Tu vois non? Ah ben tu vas chanter pour Dieu. Tu vois? Est-ce qu'il y a une chanson pour Dieu que tu aimes, une chanson de Dieu que tu aimes? C'est laquelle? Tu sais plus. Ça va venir. Waouh, c'est la première fois que tu viens? Qui t'a invité? C'est une maman, mais en fait elle n'est pas là. Et je suis venue avec ses enfants. Ok. Tu viens de loin? Je viens de Sartreville. Waouh. Et tu veux donner ta vie à Jésus-Christ? Oh Seigneur, merci. Ben, on va prier pour elle. C'est beau. Seigneur, merci pour ce jeune homme. Au nom de Yeshua. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de ce jeune homme également. Au nom de Yeshua, Seigneur mon Dieu. Mais à la fin, on va pouvoir parler avec vous. N'est-ce pas? On se verra à la fin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci Seigneur. Ça va? Ok. Non, mon frère, il veut arrêter la cigarette. Ah, il veut arrêter la cigarette. Qui veut arrêter le mensonge aussi? Là-bas dehors? Ok. Hein? Il traîne une douleur depuis des années. La douleur, elle est à quel niveau? Elle est là. Au niveau du dos? Oui. Là, t'as mal? Oui. Vous pensez que Dieu peut la guérir là? Elle dort pas à cause de cette douleur-là. Après un cancer, il y a eu un cancer et puis depuis, après, c'est bien, tu peux. Oh, c'est bon, le Seigneur sait, ça va aller. La sœur va prier pour toi. Sors. Allez, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Au nom de Yeshua. La cigarette, c'est ça? Ok. La boisson, un peu quand même, non? Non? Un petit peu, hein? Ouais. Hein, quoi, d'accord. Mm-hmm. Tu veux de la Réunion? Ouais. Ouais? Quoi, Saint-Pierre? Non, c'est André. Ok. Oh. Vous pensez que Dieu peut le libérer de la cigarette? Jesus Christ. Lâche cet homme. Sors de là au nom de Yeshua. Fini. Sors de là. C'est bon, c'est réglé. Alléluia. Tu es baptisé? Catholique? Évangélique? Mais il faut arrêter la cigarette maintenant. Et les femmes aussi, hein, de temps à autre. Non? T'es sûr? De temps à autre. Hein? Alléluia, gloire à Dieu. Oui, c'est ta fille? Oh, viens. Oh, t'es toute belle. Comment tu t'appelles? Tabitha. Tabitha? Avila. Avina? Avila. Avila. Quel âge as-tu, Avila? 5 ans. 5 ans? 5 ans. Ok. Et qu'est-ce que tu veux? Bon, ça va aller. Au nom de Yeshua, gloire à Dieu. C'est réglé. Ceux qui veulent se marier, levez les mains. Alléluia, gloire à Dieu. Ok. Mon grand, c'est ta fille? Non? C'est ta soeur. Ta belle soeur. Vous voulez vous marier, hein? Il y en a qui ont honte. Hey, Hugo Rodrigue, tout ça, là. Dieu est là, il faut profiter de sa présence. Qui veut bénéficier de la grâce du mariage? Oh, Jesus. Bon,
Donc ceux qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas levé les mains, il n'y a pas de problème, pas de mariage. On va prier tous ensemble pour ça. Parce qu'il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. On a presque fini. Puis après les frères et sœurs peuvent interpréter des chants et puis on se laisse guider. Voilà. Et mais juste avant de prier pour le mariage, vu les besoins qu'il y a, vous pensez que c'est une bonne chose si on fait deux ou trois réunions encore pendant les vacances là? Oui. D'adoration, tout ça. Amen. Nuit d'adoration. Amen. Ici c'est petit, non? Oui. On fait ça où? À Savigny, le temple ou comment? Oui. Hein? À Bretigny? Ou là où on était la dernière fois? Oui. À Bretigny ou là? Savigny, le temple? Qui dit sa ville le temple? Qui dit Bretigny? Bon, on a ces deux possibilités. Mais il y a aussi Sarcelles, la salle de, les deux salles de Sarcelles là. Ah, Sarcelles, là, tu t'es. Ok, donc on va s'organiser pour avoir déjà pendant les vacances. Loïc, c'est intéressant, non? Parce qu'il y a des besoins là. Prier, prier, prier. Donc on va vous annoncer pour. Les vacances scolaires là, une nuit de prière, d'adoration, et puis il y aura aussi 2, 3, 4 jours de programme de réveil, et pour qu'ensemble nous puissions adorer le Seigneur. Hein, mes sœurs, c'est bon, non? En esprit, en vérité. Et le projet que l'on a, ce que Dieu nous a mis à cœur, et c'est vraiment de transformer tes vues de vie, comme je vous disais au début, en une place de louange, d'adoration. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont des chants et qui ne savent pas forcément les partager. Le Seigneur nous a mis à cœur d'acheter un certain nombre de matériel et ce n'est pas fini. Nous avons acheté il y a quelques jours un piano, c'était avant-hier, qui coûte à peu près 4 900 €. On nous l'a bradé à 3 008. Alors on fait presque tout avec ce piano. Et puis d'autres matériels. Et il y aura de temps d'adoration en direct. Et vous pouvez participer avec nous, adorer Dieu avec nous. Et vous pouvez aussi appeler pour proposer des chants ou chanter carrément depuis chez vous. Et on va vous accompagner avec les instruments et adorer le Seigneur ensemble. Et pendant ces émissions, vous aurez la possibilité aussi de venir sur place et adorer avec nous. Ensemble avec nous, au nom de Yeshua. Ce ne sera pas un spectacle, mais de temps d'adoration véritablement. Et le Seigneur me met vraiment à cœur, me parle de plus en plus de cette vague prophétique, de cette vague d'onction, de sainteté qui va, n'est-ce pas, qu'il va déverser sur les nations pour préparer l'Église à son retour. Et après, je ne sais pas quand exactement, mais après ça, ça va être le départ, mon frère Paul. Et on va manger les mets succulents au ciel. On va manger des pommes célestes, on va boire de l'eau limpide céleste, mes amis. On va être dans les bras du Père, on va voir son visage tel qu'il est. Et les jeunes filles comme vous là, ça va être magnifique au ciel. N'abandonnez pas le Seigneur comme vous l'avez compris. Hein. Persévérez. C'est pas facile. Hein? Mais c'est possible. Vous êtes amoureuse. Hein? Amoureuse de qui? Jésus. Ouais, elle brille là. Ouais, c'est magnifique. Oh, Jesus, Jesus. Oh, alléluia. Ça va être. Je vous vois avec des flambeaux dans toute la France là. Allumez le feu du réveil au nom de Yeshua. Alléluia. Oh, ça va être magnifique, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Vous savez qu'elles ont des vêtements tout en feu. Tout en feu. Alléluia, tout en feu. Et je vois des jeunes Français, mes amis, de toute nationalité, des jeunes Européens de toute nationalité, mes amis, qui sont enflammés par... Oh, alléluia, je vois des jeunes filles, belles jeunes filles, toutes sortes de belles filles, de filles de noires, blanches, jaunes, qui se disent, nous ne voulons plus de l'impudicité. Je vois des jeunes filles petites et grandes, tout ça, qui adorent Dieu dans les parcs, qui adorent Dieu sur les places de marché, qui sont dehors avec leur guitare en train de louer, d'adorer le Seigneur, mes amis, là. Le Seigneur dit, jeunesse, sortez dehors, sortez des bâtiments, allez partout, allez crier. Même ceux qui sont dans leur bâtiment, là, de temps à autre, allez dehors, tout ça, là. Mira, Anne, tout ça, ça va être une vague de jeunes. Tout ça, là, ça va être quelque chose de fort. De fort. Ce qui arrive là, mes amis, là, c'est l'adoration, l'adoration. Dieu va révéler d'autres aspects de l'adoration, mes amis, là, ça va être quelque chose de fort. Alléluia, ça va être ouf. Et après, c'est le départ, après, c'est le départ. Je vois des familles qui partent, je vois des couples qui partent, je vois des mamans qui partent.
Il y a même des lycées qui seront embrasés par le feu du réveil. Je vous dis, pendant la récréation comme ça, je vois des jeunes filles qui sont entourées et qui sont en train de chanter. Et je vois le feu qui tombe sur des jeunes femmes, tout ça au lycée, au collège. Et je les vois à genoux, mes amis, en train de pleurer par rapport à leur péché, tout ça. Ça va être quelque chose d'intense, de fort, mes amis. Et Dieu me dit de vous dire, personne ne peut arrêter ce vent. Personne ne peut arrêter ce feu. Personne ne peut arrêter ce vent de l'Esprit de Dieu. Ça va être quelque chose de... Je vois des nouveaux enseignants, je vois des gens qui enseignent, je vois des jeunes qui enseignent, je vois des frères qui prêchent l'évangile. Ils ne sont pas en train de chercher des titres, ils ne sont pas là en train de reconnaître être, de chercher à être prophète et tout ça. Ce sont des simples passionnés de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Je vois des jeunes femmes à qui des garçons font la cour et qui disent nous ne voulons pas vous suivre. Nous voulons suivre Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Je vois des jeunes hommes, des jeunes, de nouveaux jeunes comme vous. Je les vois aller proclamer la parole. Le Seigneur te dit ma fille, j'ai mis cette couronne sur ta tête. J'ai mis ma main sur toi. Le Seigneur dit, prochainement, il va visiter ta famille. Il y a un réveil terrible dans ta famille. Ça va être quelque chose de fort. Ça va toucher toute la famille. Ça va toucher la famille élargie, tout ça. Là, le Seigneur dit, il y a beaucoup de jeunes qui seront touchés par toi. Là, je t'ai établi comme un phare. Il y a beaucoup de jeunes qui vont être visités. Il y a beaucoup de jeunes qui seront éclairés au travers des paroles que j'ai mises dans ta bouche. Là, tout ça, là. Alléluia, gloire à Dieu. Il y en a, Dieu va les prendre, il va les amener au ciel. Ils vont voir des choses célestes. Ils vont redescendre avec un vent nouveau, avec un feu terrible. Il y en a, ils vont partir en vacances à leur pays d'origine, en Guyane, en Martinique, tout ça, à La Réunion, à Madagascar. Et le feu va arriver, mes amis. Je vois des frères qui repartent en Afrique avec le feu. Je vois des faux pasteurs en Afrique qui fuient, qui vont vous fuir à cause de la sainteté que vous allez dégager au nom de Yeshua. Je vois la persécution, une persécution terrible contre les chrétiens véritables. Mais cette persécution va nous préparer à l'enlèvement. On baisse un peu là. Va nous préparer à l'enlèvement. Cette persécution va vous préparer à la sanctification. Dieu dit beaucoup vont être solitaires. Beaucoup vont être dans la solitude. Dieu me dit, c'est moi qui t'ai imposé la solitude, mon enfant. Voilà pourquoi tu es seul. Voilà pourquoi beaucoup t'ont abandonné. Mais c'est moi qui a prévu cela parce que je suis en train de te sanctifier, de te préparer. Je suis en train de te sanctifier, ma fille. Je suis en train de te préparer dans l'intercession comme une sentinelle véritable. Tu es comme une sentinelle, ma fille. Le Seigneur te dit, bannis la peur. La mort ne pourra pas t'atteindre pour l'instant parce que tu n'as pas encore fini la mission que je t'ai confiée. Il y a beaucoup de femmes ici qui ont reçu la mission d'intercéder. Voici le feu de Dieu, le feu de la prière au nom de Yeshua. Dieu vous a établi comme des intercesseuses, là, tout ça là. Alléluia. Dieu vous dit, préparez-vous. Mon micro, là, il faut le baisser, ça ressonne. Préparez-vous parce que ça va être terrible. Préparez-vous. Préparez-vous. Il y en a qui sont blessés. Il y en a qui sont blessés dans les assemblées. Il y en a qui sont fatigués. Il y en a qui disent à Dieu, on veut vivre autre chose. On veut entendre autre chose. Dieu dit, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Le Seigneur dit, nous sommes, mes amis, à la veille du couronnement. Ta souffrance pour le Seigneur, toi qui pleures alors que tu te sanctifies. Toi qui pleures alors que tu refuses le ministère, mais tu demandes juste à suivre le Seigneur, le Seigneur te dit, tu seras couronné, couronné de gloire. Ma gloire, ma gloire, ma gloire, couronné par la justice divine. Il y en a ici qui travaillent depuis des années, ils ne voient pas les fruits. Ils sont comme fatigués, ils se disent, Seigneur, on fait l'œuvre, mais on ne voit pas les fruits. Le Seigneur te dit, il te donne le psaume 126. Le temps de la moisson arrive pour toi. Mon peuple, tu ne chercheras pas, oh je vais chercher Chora pour qu'il prie pour moi, c'est fini ça, tu vas prier toi-même et tu verras ce que Dieu va faire. Les gens viendront te voir juste pour que tu pries pour eux, ils te diront, le Dieu qui t'a guéri est celui qui peut nous guérir. Et tu vas prier, tu vas voir les démons se manifester, tu vas voir des délivrances opérer au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Toi qui prie pour ta nation, Dieu dit, j'ai entendu tes prières, ma fille. J'ai entendu tes prières. Dieu va libérer ces jeunes femmes. Il y a quelqu'un ici, Dieu lui met à cœur d'aller voir des prostituées. C'est Dieu qui t'a mis ça à cœur. C'est ton appel, mon frère. C'est ton appel. Il faut que tu prennes ta femme pour aller voir les prostituées et leur donner des bibles, tout ça là. C'est ta mission au nom de Yeshua. Alléluia. C'est ta mission au nom de Yeshua. Il t'enverra au Mali, au Sénégal. Le feu va prendre. Le feu va prendre. Le feu va prendre. Le Seigneur dit, beaucoup des musulmans ont maintenant le cœur disposé pour recevoir la parole. Pour recevoir la parole. Et le Seigneur dit, toi que j'envoie, je ne t'envoie pas seul. Je t'envoie avec mon autorité. Je t'envoie avec ma puissance véritable.
sanctifie-toi encore, sanctifie-toi encore, sanctifie-toi encore. Des jeunes qui sont déterminés à vivre autre chose, des jeunes qui sont déterminés à plaire au Seigneur. Et il y en a de plus en plus, jeunes femmes, toi qui chantes, tu as reçu beaucoup de chants, tu reçois beaucoup de chants, tout ça là, tu vois comme si ton chant ne produit pas. C'est comme si, n'est-ce pas, il n'y a pas de moisson encore. Le Seigneur dit, ces chants-là, prépare-les encore au nom de Yeshua. Il y en a à qui Dieu a demandé carrément d'apprendre apprendre à jouer un instrument. Le Seigneur dit, c'est moi qui te mets cette pensée là, elle n'est pas de toi. C'est moi qui te l'ai inspiré là, tu vas apprendre à jouer de cet instrument parce que je veux de plus en plus t'accompagner au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, Père, nous bénissons ton nom pour la France. Nous bénissons ton nom pour l'Europe, Seigneur mon Dieu. Nous bénissons ton nom, Père éternel, notre Dieu, pour l'œuvre que tu accomplis dans nos vies. Seigneur, même ceux qui ont de doutes ce soir, je sais que c'est toi qui appelles. Je sais que c'est toi qui mandates. Seigneur, nous croyons que l'œuvre que tu as commencée, tu vas l'achever. Tu vas l'achever. Tu vas l'achever. Au nom de Yeshua. 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 Ne cours pas après le ministère. Ne demande pas à aller chanter ici et là, à aller prêcher ici et là. Non. Le Seigneur te dit dans 2 Corinthiens 10, 18, il est dit que ce n'est pas celui qui se recommande à lui-même qui a approuvé. C'est celui que Dieu recommande. Laisse Dieu parler de toi aux autres. Laisse Dieu te recommander. Ne cours pas. Reste à ta place. Dieu parle à quelqu'un. Reste à ta place. Laisse Dieu te recommander. Laisse Dieu te recommander. Tu as eu de la haine, quelqu'un, pour ton père. Pardonne. 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 Merci, Père. Les frères et sœurs peuvent chanter, on a fini. Ceux qui sont venus nouvellement et qui veulent nous voir, il n'y a pas de problème, on va vous recevoir à la fin. Et partager avec vous, échanger avec vous. Oui. Comment? Oui. Non, c'est bon, c'est déjà réglé. Le fait d'être là, c'est bon. La foi, c'est la foi qui compte. D'accord? Voilà. D'accord. Non, ça va, ouais. Merci. Ouais, ouais, tu pourras témoigner tout à l'heure à TV de vie. Pas de problème. Okay. Comment? Hein? Le? Ah, pour le mariage. Oh! Elle veut se marier, hein? Tu veux te marier? Tout ne marche pas. Plus rien ne marche. Hein? De tout ton cœur, tu veux te marier? Tu es célibataire? Tu es célibataire? T'es pas fiancé? Oh? T'es sûr? Mais tu es fiancé à Jésus? Charnellement, ouais. Donne-moi ta main, viens, lève-toi. Vous pensez qu'elle, elle peut se marier? Que Dieu te bénisse. Waouh! Le Seigneur va vraiment vous consoler. Vous avez le cœur sur la main. Vous aimez beaucoup aider. Vous avez aidé beaucoup de personnes. Vous avez beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures. Le Seigneur va, comme un père, il va procéder à une restauration. Et vous allez retrouver la joie, avoir la joie. Et ce fardeau qui pèse sur vous, que vous portez, tout ça, le Seigneur va le prendre. Et il va vraiment vous soulager. Il va vous parler clairement. Il me dit de vous dire qu'il vous aime. Et il me dit de vous dire également qu'il va vous étonner. Ah oui, vous aurez beaucoup de surprises. Au nom de Yeshua. Dieu essuie tes larmes. Le Seigneur me dit, dis-lui quelle est ma perle. Tu es sa perle. Tu as beaucoup de valeur pour le Seigneur, ce que le Maître me dit de te dire. Tu comptes beaucoup pour lui. Ne te minimise pas, le Seigneur t'aime beaucoup. Fortifie-toi et prends courage. Père, quel que soit ce que tu fais en ce temps,
c'est bon? Hein? Dieu t'aime? C'est bon, ouais. Ses parents sont séparés et l'enfant est perturbé. L'enfant est perturbé. Ça va aller. Ne le fais pas à moi. Il y en a qui ont dit, mais c'est la réunion de la jeunesse, pourquoi tout le monde est là? C'est ça, non? Nous sommes tous jeunes, n'est-ce pas? Dieu t'aime beaucoup. La lumière arrive dans ta famille, une grande lumière. Le Seigneur a vu également tes pleurs, voit ta souffrance. Et une grande lumière qui arrive, et une, surtout aussi une restauration, une justification. Dieu va te justifier au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Waouh. Vous voulez pas partir? Ça va toi? Ça va? Waouh! Dieu t'aime. Oh! Ça va? Qu'est-ce que tu voulais? Je voulais confesser des songes en fait. Tu veux confesser? Confesser quoi? Des songes impudiques. Et j'ai perdu le désir de la sainteté et beaucoup d'initiation à la sorcellerie. Tu as été initié à la sorcellerie? Oui. Par qui? Par des amis en fait que j'ai fréquenté dans le monde. J'ai accepté aussi et voilà, je veux vraiment m'adonner wow. En fait, par rapport à ces choses. Elle renonce à la sorcellerie et tout ça. On acclame le Seigneur pour sa vie. Bien. Waouh. On veut bouger, mais on sent que les gens ont soif. Qui d'autre veut, comme notre sœur, abandonner la sorcellerie? Qui d'autre? N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. C'est une occasion unique. Waouh. Mon frère Hugues et Rodrigue, vous voulez bien venir prier pour elle? S'il vous plaît. Ça va aller, c'est déjà réglé. Votre situation est entre les mains du Seigneur. C'est bon. Amen. Bonne continuation. Voilà. Vous avez vraiment faim, quoi? Waouh. Ah, ça c'est beau ça, ça c'est beau ça. Là, t'es en train de me provoquer là, tout ça là. Waouh. On va prier pour elle, ça va? Amen. Ça va. Jesus. C'est beau, merci. Alléluia. Waouh. Merci Alain, merci. Waouh. Satan a échoué. Au nom de Yeshua. Elle ne veut plus du péché, tout ça. Fini, 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 fini. Fini. Ce jeune homme veut quoi? Hein? Pour ton fils? Il est malade. Oh. Ah, elle souffre, c'est pas facile. Les gens ont beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. On va prier pour lui. Ah. Ça va toi? Tu es baptisé? Non. Qu'est-ce que tu attends? Hein? Je sais pas. Je sais que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Oh, ouais. Qui t'a invité? C'est toi? Ah, c'est toi mon frère. Waouh. Dieu t'appelle. Viens, viens, je prie pour toi aussi. Paul, un cas là, s'il te plaît. Ça va? Tout va bien? Alléluia.
langue, c'est la première fois que tu viennes. Ah oui, tu es choqué par un... Un peu, hein? Qu'est-ce qui te choque un peu? Je sais pas, c'est juste que j'ai pas l'habitude de voir ça. Et puis, bon, après, c'est beau à voir, même les guérisons. Les... C'est beau, hein? Mais c'est juste que c'est, oui, c'est la première fois que je vois ça. C'est normal, c'est normal. Est-ce que tu es croyante? Oui, enfin, je crois en Dieu, oui. Lequel? Ben, Jésus. Ah ben, alléluia, gloire à Dieu, voilà, c'est bien. Magnifique. Waouh. Eh ben, Dieu guérit, il fait tout ce qu'il fait, là. C'est beau. Maintenant, il faut passer par les eaux du baptême parce que il t'appelle. Il veut que tu ailles un peu plus loin avec lui. Que tu n'hésites plus, que tu fasses sa volonté, que tu lises la Bible tous les jours, tout ça. Ah ben, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah ben, on va pouvoir parler tout à l'heure avec le jeune homme là-bas. Là. Tu es baptisé, hein? Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais bonne continuation en tout cas. Dieu t'appelle, hein, tu sais, tu peux pas... Hein? Ah ben, tu peux fuir, hein, c'est sûr, on peut le fuir. Non, non. Tu veux quelque chose là, jeune fille? Ah, c'est elle qui bloque le... Tu veux quoi? La prière pour les enfants là. Vous allez bien les filles? Comment tu t'appelles? Alkenza. Hein? Alkenza. Ah, et toi? Leur papa est où? Tu es baptisé? Non. Tu aimes Jésus? Non, pas vraiment. Quel âge as-tu? 13 ans. 13 ans. Seigneur, bénis cet enfant dans Yeshua. Qui sont ceux et celles qui veulent les dons de l'esprit? Que Dieu leur donne des dons de l'esprit pour mieux le servir. Alors, levons-nous alors. On va finir par là. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous as rassemblés en ce lieu. C'est toi qui nous as appelés. Regarde la soif de ces hommes et ces femmes. Regarde la soif de chacun. Accorde-leur ta grâce, Père, Père très saint. Accorde-leur ton amour, Seigneur, ta sainteté, ta vérité. Merci pour les dons de prophétie, le don de vision, le don de guérison. Donne-leur ce don de guérison afin qu'ils prient pour leur famille malade. Au nom de Yeshua. Quand vous allez rentrer, vous qui avez des parents malades, allez prier pour eux. Au nom de Jésus-Christ. Vous serez surpris de toutes les guérisons que Dieu va opérer. Avec l'amour que vous avez pour vos parents, pour vos enfants, priez pour eux. Au nom de Yeshua. Quelqu'un est venu en disant au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas repartir tel que je suis venu. Parle-moi, confirme-moi, donne-moi un signe. Voilà le signe que tu attendais. Voilà, Dieu t'a vu, Dieu t'a exaucé. Voici le signe que tu attendais. Oh, Dieu entend les prières, Dieu voit, Dieu connaît. Voici ma soeur, voici mes soeurs. Ce que vous avez demandé au Seigneur, la main de Dieu est sur vous. C'est à cause de toi que la réunion ne finissait pas parce que Dieu voulait... répondre à ta prière. Oh Seigneur, merci. Bénis cet enfant. Magnifique Seigneur. Oh Jesus. 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 Bénis ma soeur, mon Dieu, mon Père, au nom de Yeshua. Tu n'es plus seul, toi qui te disais être seul, tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Toi qui demandais au Seigneur ce qu'il attendait de toi, eh bien, il veut simplement que tu l'adores. Il veut que tu l'adores simplement. Simplement. Voilà. Que tu l'adores. Alléluia. Que tu l'adores simplement. Et ensuite tu verras l'œuvre que le Seigneur accomplira. Oh oui. Voici la main de Dieu sur toi.
Voici la main de Dieu sur toi. Oh Jesus. Voici. Voici la main de Dieu. Voici la main de Dieu. L'onction sur toi là. Oh Jesus. Voici l'onction du Saint-Esprit là. Amène-moi les deux. Amène-moi les deux là. L'onction là. Les deux là. Oh. Il y a vraiment comme de l'eau qui coule ici là. Une belle onction de Dieu. Vous savez, chacun doit prier. Mais regardez, ça ne sert à rien. C'est le Seigneur qu'il faut voir. Qu'il faut intercéder. Jesus. La main de Dieu. Voici la puissance de Dieu. Que l'ennemi retire sa main de ta vie. Voici le Saint-Esprit. Jesus. Lâche-la. Lâche-la. Le Seigneur te guérit. Au nom de Yeshua. Il te guérit. Jesus. Une onction sur elle. La puissance de Dieu. Oh, une onction sur elle. Le Seigneur la libère là. Guérison au niveau du cœur. Merci, Papa. Oh, merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Le Seigneur veut restaurer ta famille. Il veut restaurer. Là où l'ennemi a voulu mettre la division, le Seigneur veut réparer. Là où l'ennemi a mis la séparation, Dieu veut rassembler. Le Seigneur, comme un père, te remplit de son onction, de son Saint-Esprit, te guérit, guérit ton cœur blessé au sein de la famille blessée. Dieu veut être un père. Je ne sais pas ce que c'est pas ton papa. Dieu veut être un père. Il veut inonder ton cœur de l'amour du Père. Au nom de Yeshua, Père, bénis cette jeune fille. Guéris-la, Seigneur. Guéris-la, Papa. Magnifique, Saint-Esprit. Merci. 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 Que Dieu vous garde. Bonne continuation. Alléluia. On n'est pas obligé de tomber et de secouer. Le Seigneur guérit, sauve. Gardez vos délivrances. Au nom de Yeshua. Voilà.